de conférences, vous avez plusieurs thématiques tout au long de l'année? Vous m'avez entendu? Oui, pardon. Désolée, j'étais en train de m'occuper de tout ce qui est technique. Oui, on a plusieurs, en fait, on a plusieurs thèmes de conférences par année. Et donc là, vous êtes depuis le début de l'année scolaire, donc depuis septembre, vous êtes, enfin, c'est la troisième conférence qu'on fait. La première, c'était sur la démocratie et l'environnement. La deuxième, c'était sur le thème zéro déchet. Démocratie, vous avez parlé de quoi? De la Convention citoyenne pour le climat? Oui, notamment. Notamment. Ok. Je pense qu'on va pouvoir commencer si tout le monde est prêt. Vous êtes tous prêts? Prêt. Alors, bonsoir à toutes et à tous qui nous suivent sur le Zoom ou sur notre page Facebook et bienvenue à la conférence sur le véganisme de l'association SONU. Avant de commencer cette conférence, un petit mot sur notre association. Celle-ci a pour but de promouvoir auprès des étudiants de la Sorbonne les valeurs des Nations Unies, et ce, au travers de ses différents pôles et antennes qui la composent. Notre antenne a pour but spécifique de sensibiliser les étudiants sur des thématiques environnementales. Ainsi, ce soir, l'antenne UN Environnement a le plaisir de vous proposer cette conférence que nous sommes extrêmement heureux de pouvoir vous présenter malgré les circonstances difficiles. Dans cette optique, nous aurons le plaisir de vous proposer d'autres événements très prochainement, comme une conférence sur la thématique de l'écoféminisme le mercredi 20 janvier, ou encore une conférence sur l'agriculture urbaine dans les pays du Sud le mardi 26 janvier. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps et je vais laisser la parole à Jade, qui va vous présenter les intervenants que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir. Alors, merci Charlotte. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être ici présents pour cette conférence autour du véganisme. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais brièvement présenter le déroulement de cette conférence pour ensuite céder la parole à nos intervenants. Alors, la conférence de ce soir a pour objectif d'apporter des éléments de réflexion autour du sujet véganisme, qui est considéré comme un mode de vie qui ne consiste à consommer aucun produit issu des animaux, de leur exploitation ou testé sur les animaux. Ce choix porte des considérations donc, qui peuvent être éthiques, liées à la santé, mais aussi environnementales. C'est pourquoi il est
intéressant et important de considérer ces trois volets et de se poser certaines questions, comme que vivent-ils les animaux d'élevage et est-il question d'arrêter complètement l'élevage aujourd'hui? Est-ce que notre alimentation peut-elle se passer de produits animaux et quels sont les impacts et les bénéfices environnementaux d'un choix vegan? Voilà, afin de répondre à ces questions, nous accueillons ce soir trois intervenants que nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous. Tout d'abord, Monsieur Dominique Aubert, je suis désolée pour la prononciation, si elle n'est pas juste, représentant de l'association L214, une association reconnue pour, connue surtout pour ses nombreuses enquêtes filmées et documentées et diffusées par la presse portant sur la condition animale. Et donc, compte tenu de ce que dit la loi française sur la protection des animaux, je cite, contre les mauvais traitements et la souffrance ou les dommages inutiles, il présentera la réalité de la condition des animaux utilisés en élevage. Ensuite, nous accueillons également le docteur Bernard Pellet, médecin nutritionniste, cofondateur de l'Association de professionnels de santé pour une alimentation responsable et auteur du livre « Comment manger moins de viande ». Il parlera des avantages pour la santé d'une alimentation végane et en déguisant aussi les faux problèmes qui entourent les questions de santé à ce sujet. Ensuite, je vous présente Laure Ducos, chargée de campagne agriculture et alimentation chez Greenpeace France. Elle présentera l'impact environnemental de la consommation et de la surconsommation des produits des animaux, ainsi que les freins et les leviers d'action qui peuvent être mis en action pour mettre fin à cette surconsommation et donc aussi parler de la politique qui est menée à ce sujet. Enfin, outre la volonté d'apporter des éléments de réflexion autour du véganisme, l'objectif de cette conférence est surtout de susciter un débat. C'est la raison pour laquelle une séance de questions-réponses sera tenue à la fin des interventions. Et c'est la raison pour laquelle je vous encourage, nous encourageons à poser des questions dans les espaces commentaires sur Facebook ou sur Zoom. Et ensuite, nous nous chargerons de les adresser à nos intervenants à la fin des interventions. Alors, je vous remercie et je laisse la parole à nos premiers intervenants, qui est Monsieur Dominique Aubert. Merci. Merci beaucoup, vous l'avez très bien prononcé. Merci beaucoup. Je vais commencer par des remerciements. Donc, merci pour votre invitation. Merci d'avoir organisé une séance sur ce thème du véganisme, donc, qui est un thème qui nous est cher, évidemment, chez L214. Et, donc, je suis ravi de participer à cette soirée. Merci beaucoup à tous ceux qui participent. Peut-être que je vous mettrai un peu à contribution à travers le chat avec un ou deux sondages. Où je poserai des questions, donc si vous voulez répondre dans le chat, n'hésitez pas, et je me sentirai moins seul. Et je suis ravi aussi donc, de participer à cette séance avec Jérôme et avec Laure. Et je vais donc aborder la question du véganisme avec une acceptation en fait assez large du terme, c'est-à-dire plutôt sous l'angle de la végétalisation de l'alimentation est un peu en mode, un peu beaucoup passionnément à la folie, à la folie étant le véganisme à 100%, mais il y a aussi des postures ou des conduites alimentaires qui peuvent être un peu intermédiaires et qui sont aussi intéressantes, même si elles ont évidemment moins d'impact, mais elles ont quand même un impact et donc c'est toujours important de le signaler. Je vais tester un partage d'écran. J'ai préparé une petite présentation. J'espère que tout va bien aller. Personne ne bouge. Hop. Et vous devriez normalement voir. Est-ce que vous voyez? Oui, on voit bien. En grand, mon collègue Sébastien avec son t-shirt orange. Oui. C'est ça que vous avez? Ok, très bien. Alors, j'ai commencé rapidement hein, par présenter un peu l'association L214, si jamais vous ne la connaissez pas. Donc, c'est une association de défense des animaux
utilisée pour la consommation, donc élevage et pêche principalement. C'est une association qui existe depuis 2008 et qui a un nom un peu mystérieux, énigmatique. Je ne sais pas si vous savez d'où vient le nom de l'association, qui est en fait une référence à un article du Code rural qui est assez ancien, qui date de 1976 et qui dit exactement ceci. Tout animal étant un être sensible, doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. C'est un article qui est intéressant pour nous, à la fois parce qu'il est alors peut-être pas très connu, mais c'était un peu un des choix de l'association à la fondation d'essayer de lui donner de la visibilité, et aussi parce que peut-être c'est le premier. Enfin, la France est peut-être le premier pays à avoir reconnu la sensibilité des animaux dans son arsenal juridique. Enfin, en tout cas, nous, on ne trouve pas de précédent. Et donc, il y a cette notion d'être sensible qui est une notion qui est centrale pour nous et qui désigne donc une réalité scientifique assez particulière, qui est que les autres animaux, comme nous, alors, ils ne sont pas seulement les sujets de leur propre vie, mais ils sont également les sujets de leurs propres sensations, c'est-à-dire qu'ils ressentent comme nous ce qui leur arrive. Ils font l'expérience sensible du monde et ils inscrivent également leurs sensations dans une mémoire. Ils attribuent à leurs sensations une valeur. Il y a des sensations qui sont agréables, d'autres qui sont désagréables. Donc une valeur positive ou négative. Et à partir de laquelle ils établissent des préférences. Ils construisent également des états émotionnels comme le stress, par exemple, la peur. Par anticipation, ou au contraire des émotions positives, le confort, la sécurité. Et donc il y a ce point commun entre nous, les individus sensibles, qui engage pas seulement dans le droit, mais aussi, je dirais, d'une manière philosophique, en fait, notre responsabilité dans les différentes relations que nous pouvons envisager avec des individus qui sont sensibles comme nous et qui ressentent comme nous ce qui leur arrive. Alors, je vous avais parlé d'un petit sondage, je commence tout de suite avec. Alors vous allez voir, il va y avoir deux petits sondages. Le premier concerne le nombre d'animaux qui sont recueillis dans les refuges chaque année en France. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ces chiffres. Je vous mets à l'écran la quatre possibilités, j'espère que vous les voyez. Quand un animal arrive dans un refuge, on les compte. Et puis, au ministère de l'Intérieur, on comptabilise le nombre d'animaux qui arrivent. Si vous n'êtes pas familier avec ces chiffres, je vous donne le premier chiffre qui est 95 000 chats et chiens qui sont abandonnés chaque année dans les refuges français. C'est généralement un chiffre qui impressionne, hein. Parfois, c'est même 100 000 certaines années. Vous vous souvenez peut-être au printemps dernier ou au début de l'été dernier, il y avait une campagne de la Fondation 30 millions d'amis qui avait lancé une campagne avec la musique du groupe Queen, We Are the Champions, parce que voilà, nous en France, nous avons ce triste record d'être les champions d'Europe des abandons. Et je vous pose une autre question qui concerne cette fois les abattoirs français, donc là on entre dans le vif du sujet, qui abattent 3,5 millions d'animaux chaque an, chaque mois, chaque semaine ou chaque jour. Et la réponse, c'est chaque jour. 3,5 millions d'animaux chaque jour. Il y a des chiffres qui sont vertigineux, en fait, quand on s'intéresse à la question animale. À l'échelle de l'année, c'est à peu près 1 milliard en France. Et à l'échelle de la planète, c'est à peu près 76 milliards donc d'animaux qui sont abattus pour la consommation, c'est-à-dire à peu près 10 fois la population humaine mondiale. Pour vous donner une meilleure idée, je vous indique un graphique ici où je vous ai placé donc les animaux d'élevage donc abattus pour la consommation en orange, les 100 000 chats et chiens en bleu dans une petite ligne que vous apercevez peut-être en bas à droite. Dans autres, j'ai indiqué des animaux qui sont plutôt en captivité ou utilisés dans des spectacles, et les animaux de laboratoire en gris, qui sont assez nombreux également, et ça concerne évidemment le véganisme, même si ce n'est pas la question alimentaire.
sont souvent des petits animaux, des rongeurs, et donc on atteint facilement des chiffres assez importants. Sur cette diapo suivante ici, je vous indique ici les adhésions, les gens qui font des dons à des associations, qui peuvent être spécialisées par exemple dans la défense des animaux d'élevage comme nous, ou dans par exemple la SPA, par exemple, qui s'occupe de tout un réseau de refuges. Et vous voyez qu'il y a un décalage en fait entre les proportions d'animaux utilisés et là où la sensibilité en fait de nos concitoyens les porte à agir. Il y a beaucoup de gens, vraiment la majorité, qui soutiennent les associations qui protègent les chats et les chiens. Et il y a besoin, hein, ça, on ne va jamais dire le contraire. Mais voyez le point qu'on veut souligner et qui est une des raisons pour lesquelles on a fondé cette association en fait en 2008, c'est que les animaux d'élevage sont traditionnellement un peu à l'écart du champ de notre considération. C'est des animaux auxquels on ne pense pas souvent. Et qui sont un peu les oubliés de la tradition, de la protection animale, je dirais, historique ou traditionnelle. Et on pourrait ajouter d'autres espèces qui feraient paraître ce grand carré orange encore plus petit, auquel on pense encore moins souvent, bien qu'il soit alors vraiment extrêmement nombreux. On parle de 1 000 milliards par an, peut-être même 2 000 milliards par an. Ce sont les poissons. Les chiffres sont en fait assez difficiles à obtenir. On compte les poissons plutôt en poids, en tonnes, et donc on fait une extrapolation et on imagine que ça peut concerner entre 1 000 milliards et 2 000 milliards d'individus chaque année. Vous avez peut-être suivi, hein, si vous suivez un peu l'actualité enfin, en tout cas des projections sur la pêche, ou en tout cas l'état des océans, que les experts prédisent des océans vides à l'horizon 2050. Alors, sur cette question des animaux d'élevage, vous connaissez peut-être cette séquence du film Matrix où le personnage principal a le choix entre deux pilules, hein, une pilule bleue qui va lui permettre de rester dans le rêve dans lequel il vit. On lui explique que le monde dans lequel nous vivons n'existe pas vraiment, que c'est une sorte de rêve éveillé. Et puis la pilule rouge, qui est la pilule qui va lui permettre d'arriver dans la vraie réalité, ce qu'ils appellent dans le film la matrice. Et on est un peu dans cette situation quant à la représentation qu'on se fait en général des animaux d'élevage. Vous avez peut-être comme moi des souvenirs d'albums pour enfants, hein, lorsqu'on était petit. Le monde de la ferme était souvent comme ceci. Donc un monde assez idéalisé où les animaux. Enfin, les besoins des animaux sont satisfaits en termes d'espace, en termes de relations sociales, en termes de nourriture. Là, le petit caneton est avec sa maman. Ça, c'est assez rare, hein, quand en élevage, les petits restent avec leurs parents. Et puis, vous voyez qu'ils ont une certaine humeur. Ils ont tous le sourire. Ils sont tous très contents d'être là. C'est évidemment, on est plus proche de la pilule bleue ici que de la pilule rouge. Et dans la réalité, c'est évidemment un peu différent. Aujourd'hui, et depuis à peu près les années 60-70, la plupart des élevages ressemblent plutôt à ceci. Donc des bâtiments fermés, et singulièrement en France, hein, qui est un pays où il y a vraiment beaucoup d'élevage intensif. Je vais vous donner quelques chiffres. Alors, je vais commencer par des chiffres qui sont plutôt en baisse, en fait, ici. En ce qui concerne les poules pondeuses, il y a 3-4 ans, on comptabilisait à peu près 70% de poules pondeuses en cage. Donc ça, c'est l'élevage en cage qui est un peu en perte de vitesse, notamment grâce au travail des associations qui travaillent un peu avec soit les acteurs de la grande distribution ou directement avec les acteurs de l'agroalimentaire pour essayer d'encourager des pratiques vertueuses. Et ces dernières années, il y a eu vraiment des résultats intéressants. Et on est passé, donc, il y a quelque temps, sous la barre des 50%, des à peu près 43 millions de poules pondeuses qui sont élevées chaque année. C'est un élevage qui reste tout de même autorisé. Si vous êtes derrière votre écran d'ordinateur, l'espace de votre écran fait à peu près 750 cm², c'est le minimum que ces poules peuvent avoir en vertu de la réglementation européenne. On met à peu près 14 poules par mètre carré. Les poules pondeuses, dans cette filière, on ne garde que les femelles. Les mâles qui ne pondent pas sont éliminés parce que ce sont des souches génétiques, enfin, qui ont été sélectionnées génétiquement pour un taux de ponte assez important.
mais qui produisent assez peu de viande et on utilise des souches différentes en fait pour les poulets qu'on mange, qui sont à 83% dans des bâtiments fermés également, en élevage intensif, sélectionnés génétiquement pour la croissance surtout, c'est-à-dire pour la prise de muscle et pour la rapidité de la prise de muscle, des oiseaux qui sont aujourd'hui abattus à peu près 35 jours, contre 2 mois il y a à peu près une soixantaine d'années, donc on a accéléré la croissance de ces animaux, aux dépens de leur physiologie. Ce sont des animaux qui vivent, en fait, si on ne les abattait pas à 35 jours, qui vivraient assez peu de temps. Si vous visitez des refuges pour animaux de ferme, vous verrez souvent des cochons rescapés d'élevage, des poules, mais très peu de poulets, parce que ce sont des oiseaux qui continuent à grossir en fait, au-delà de l'âge d'abattage, et qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des problèmes de déplacement de centre de gravité, de boiterie, et aussi des problèmes, ce qu'on appelle les pododermatites, c'est-à-dire le poids du corps qui pèse sur la peau des pattes et qui crée des lésions. Je passe rapidement, hein, parce qu'on a à peu près 15 minutes chacun, donc on pourra discuter un peu plus longuement dans les questions. Et je termine par la filière porcine, qui est une filière qui est très intensive en France. 95% des cochons vivent dans des bâtiments fermés, avec des truies reproductrices qui sont à peu près un tiers de leur vie en cage. Là, vous voyez un système là qui s'appelle les stalles de gestation. Ensuite, elles sont déplacées dans d'autres systèmes de cage qu'on appelle les cases de mise bas, où elles mettent bas leurs porcelets. Les porcelets têtent leur maman à travers les barreaux. Et ce sont des vies, des vies assez misérables qui sont en décalage en fait, hein, avec la représentation de l'élevage qui est véhiculé ou de ces produits qui est véhiculé à la fois par les filières et par la publicité. Le monde dans lequel nous vivons, c'est plutôt un monde où les vacheries, où les canards sont heureux, par exemple, hein, d'être gavés pour le foie gras, en tout cas la filière du canard gras, où les agneaux sont espiègles, souris et se cachent derrière les petites boîtes d'aliments pour bébés. Et indépendamment de la manière dont les animaux sont élevés, la question de la mise à mort de ces animaux, donc évidemment reste entière, hein, c'est une question en soi, et aussi l'âge d'abattage de ces animaux, ça c'est assez peu connu, mais les animaux sont abattus très prématurément par rapport à leur espérance de vie normale. Sur la diapo ici, vous avez les espérances de vie des animaux en blanc. Et le petit espace orange correspond à leur espérance de vie moyenne, enfin en tout cas à l'âge d'abattage moyen en élevage. Donc entre 5 et 10 semaines pour les poulets, les animaux qui peuvent vivre 8 ans, même parfois plus. Les truies, c'est 3 ans, les truies reproductrices, entre 3 et 4 ans, parce qu'après elles ont une prolificité qui baisse un petit peu et puis on les remplace par des truies plus jeunes. Pareil pour les vaches à lait, à peu près 5-6 ans, hein, lorsque la lactation, la production laitière baisse un petit peu et on les remplace par des génisses plus jeunes. Les cochons, ce qu'on appelle les porcs charcutiers, sont élevés jusqu'à 6 mois sur caillebotis et ensuite partent à l'abattoir. C'est des animaux qui pourraient vivre une quinzaine d'années. Et je vais presque terminer par cette petite expérience de pensée que j'aime bien et que je vous soumets, qui s'appelle le problème du tramway, que vous connaissez peut-être, qui est une expérience de pensée en philosophie morale, qui consiste, donc c'est une situation imaginaire dans laquelle on va se trouver et dans laquelle on doit prendre des décisions. Et alors nous, on est dans l'image, on est le personnage un petit peu hirsute qui tient un levier qui permet en fait au tramway d'aller tout droit ou alors de tourner à gauche. Et le tramway est lancé à pleine vitesse et vous voyez que sur la voie centrale, il y a 5 personnes qui sont attachées sur la voie. Et sur la voie de gauche, il y a une seule personne. Et la question, c'est, voilà, le dilemme moral, c'est est-ce que vous tirez le levier ou est-ce que vous ne faites rien? En fait, quel est votre choix? Et il y a une variante qui a été développée, que j'aime beaucoup, qui est avec des animaux d'élevage, que je vais vous montrer dans une minute. Traditionnellement, il y a tout un tas de variantes qui ont été faites sur ce problème du tramway. Par exemple, vous pouvez imaginer que la personne qui est toute seule est par exemple un membre de votre famille, ce qui peut influer le choix qu'on fait.
Ça peut être Hitler, par exemple, etc. Enfin, il y a tout un tas de variantes. Et celle-ci, c'est une variante avec des animaux. Et vous voyez que il y a cette différence-là. Il y a des animaux qui sont des animaux d'élevage. On reconnaît deux poules, une vache, un cochon. Donc, ce sont des animaux qui vont être abattus, en fait, pour la consommation. Et puis, sur la voie de garage, vous voyez qu'il n'y a rien du tout. Et c'est une belle illustration, enfin, je trouve, hein, du choix dans lequel, enfin, face auquel on est quand on se retrouve à choisir notre alimentation. C'est-à-dire qu'on peut tirer le levier, choisir une alimentation plus respectueuse. Ce qui va arriver aux animaux, c'est l'abattoir ou le couteau du boucher. Hein, c'est évidemment, si on se transpose dans la situation réelle, on n'est pas à côté des voies d'un tramway. Et puis nous, on est dans l'image et ce qu'on a, évidemment, entre nos mains, c'est les choix qu'on fait, les choix alimentaires que nous faisons et les vies qui sont derrière et qui peuvent être donc impactées. Voilà, je pense que j'ai un peu dépassé. J'ai parlé à 200 à l'heure, donc merci beaucoup si vous avez tenu le coup. Je vais revenir en mode normal et vous remercier pour votre écoute pour cette intro. Alors, merci beaucoup, c'est très intéressant. Je vais laisser la parole au docteur Jérôme Bernard Pellet. S'il est là, je ne sais pas si... Là. Alors, je vais partager la présentation. Voilà, alors, je ne sais pas si on la voit. Alors, je ne sais pas si on m'entend, si on voit le diaporama. On vous entend, mais très faiblement. On va en entendre mieux. Là, est-ce que vous m'entendez? Là, oui, c'est mieux. Bon, parfait. Est-ce qu'on voit correctement le diaporama? Oui, c'est parfait. C'est parfait. Bon. Donc, pour qu'il y ait le temps de répondre aux questions et pour respecter les horaires, j'ai fait une présentation très courte. Je vais vraiment aller à l'essentiel. Vraiment la substantifique moelle de la question, qui sont les avantages pour la santé d'une alimentation végane bien menée. Voilà, donc pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Jérôme Bernard Pellet, et je suis à la fois médecin généraliste, mais aussi médecin nutritionniste, et je me suis sous-spécialisé dans les alimentations végétariennes et véganes. Alors, je ne sais pas ce que nos auditeurs savent ou ne savent pas, mais en fait, en 2020, on a très largement dépassé la question de la viabilité de l'alimentation végane. Maintenant, on en est à une littérature scientifique qui est absolument énorme et qui démontre que c'est tout à fait faisable, tout à fait viable. Donc, on a dépassé la question, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est dangereux, etc. Alors bien sûr, il y a des inconvénients connus, mais là, en 2020, la question est plus de déterminer quels sont les avantages pour la santé. Donc, je vais vous exposer ce soir, brièvement, en laissant du temps pour répondre aux questions. Je vais vraiment me focaliser sur cette question et surtout sur les avantages les plus fréquents et les plus prouvés. Voilà, parce qu'il y a des avantages qui existent, mais dont le niveau de preuve est beaucoup plus faible. Alors déjà, et c'est le plus important, parce que ça permet de répondre à la question est-ce que ça fait plus de bien que de mal, c'est qu'est-ce que ça fait globalement? Est-ce que l'alimentation végane raccourcit l'espérance de vie? Bon, là, je n'aurais pas dit ce que je viens de dire. Est-ce que c'est neutre sur l'espérance de vie ou est-ce que ça l'augmente? Alors, on sait que ça augmente l'espérance de vie. Alors, il n'y a pas énormément d'études sur le sujet, parce que plus les modes alimentaires sont rares, plus il est difficile de mener des études avec beaucoup de sujets. Donc il y a plus d'études sur les personnes qui sont végétariennes, donc qui mangent aussi des œufs et des produits laitiers, mais on en a quand même sur les véganes. Donc on sait que l'alimentation végane augmente l'espérance de vie.
grâce à une grande étude de cohorte de 2013, on a recruté 75 000 personnes, qui a montré une baisse de mortalité, toutes causes confondues, de 15% par rapport à des personnes ayant une alimentation plus traditionnelle, mélangeant végétaux et produits animaux. Et je vous ai mis en bas de la diapositive la référence scientifique pour que vous puissiez vérifier par vous-même. Voilà. Donc ça, c'est le premier avantage, c'est quand même un avantage de poids. Alors ensuite, deuxième avantage, c'est le diabète de type 2. Alors, on n'insiste pas suffisamment sur le sujet. En fait, l'effet le plus puissant sur la santé d'une alimentation 100% végétale, ce n'est pas sur les cancers, ce n'est pas sur les maladies cardiaques, c'est vraiment sur le diabète de type 2. Alors, c'est intéressant parce que le diabète de type 2, c'est en train d'exploser. C'est très lié à l'obésité. C'est lié aussi au manque d'activité physique, le développement de la mécanisation, le développement des ascenseurs, des escalators, la voiture, etc. fait qu'on a beaucoup moins d'occasions que dans le passé de faire de l'exercice physique. Donc tout ça contribue au diabète de type 2, mais pas que. Il y a aussi des facteurs purement alimentaires. Et dans les facteurs alimentaires, il y en a un qui est très connu. La plupart des médecins, des non-médecins, savent que le fait de manger beaucoup de sucre favorise le diabète de type 2. Voilà, tout le monde sait à peu près ça. Par contre, il y a déjà beaucoup moins de gens qui connaissent le lien entre diabète de type 2 et consommation de produits animaux. Alors, ce lien commence à être de plus en plus popularisé, y compris chez les médecins. Donc, c'était quelque chose qui n'était pas enseigné il y a 20 ans. Maintenant, depuis à peu près 10 ans, dans le cursus tout à fait classique que suivent les étudiants en médecine, il est dit que les produits animaux augmentent, surtout la viande rouge, augmentent les cas de diabète de type 2. Alors, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le diabète, j'aurais dû commencer par là d'ailleurs, le diabète, c'est une maladie où il y a une perte de régulation du taux de glucose dans le sang. Voilà. Alors, le glucose, c'est une forme particulière de sucre qui est vraiment le carburant essentiel pour l'organisme. Alors, ce n'est pas le seul, il y a d'autres types de carburants. Vous avez les lipides, vous avez les corps cétoniques, mais le glucose reste le carburant indispensable des reins ou du système immunitaire. Le cerveau utilise préférentiellement ce carburant, mais il peut en utiliser d'autres. Par exemple, les corps cétoniques, qui sont issus des lipides, peuvent aussi être utilisés par le cerveau, notamment en cas de jeûne. Voilà. Et là, l'effet de prévention du diabète de type 2 par une alimentation qui est 100% végétale, elle est de l'ordre de 50%, ce qui est énorme. On pourrait diviser par deux les cas de diabète de type 2 dans ce pays, simplement en végétalisation de l'alimentation, tous paramètres égaux par ailleurs. Alors si en plus on fait de l'activité physique, si en plus on maigrit, si en plus on fait d'autres choses, bah, ça va être encore plus, bien sûr. Voilà. Et alors pourquoi? Parce que ça ne paraît pas évident. Alors le sucre, on comprend pourquoi le sucre va favoriser le diabète de type 2. Mais le fait d'avoir une alimentation 100% végétale, alors là, ça paraît moins évident. En fait, il y a une interférence, probablement qu'il y a une interférence entre les graisses saturées, certaines graisses saturées, parce que les lipides, c'est une famille qui est très vaste, avec une longueur de chaîne carbonée qui est plus ou moins longue ou courte suivant les lipides. Donc, tous les lipides n'ont pas le même effet métabolique, mais les lipides qu'on trouve préférentiellement dans la viande vont avoir un effet perturbant sur les récepteurs de l'insuline. Et donc, ça va provoquer ce qu'on appelle un phénomène qu'on appelle l'insulinorésistance. Alors, c'est quoi l'insulinorésistance? C'est le fait que l'insuline devient moins efficace. Donc, l'insuline, c'est une hormone fabriquée par le pancréas. Et cette hormone est chargée de faire passer le glucose du sang à l'intérieur des cellules. Et ce phénomène est perturbé dans le cas d'une consommation excessive de produits animaux. Et donc, le glucose s'accumule dans le sang. Et lorsqu'on a trop de glucose dans le sang, c'est le diabète. Alors, pourquoi c'est embêtant? C'est que le glucose en excès a lui-même une toxicité vis-à-vis de différents organes, les yeux, les reins, le cerveau, l'appareil cardiovasculaire, etc.
Et c'est pour ça que lorsqu'on devient diabétique de type 2, on traite. Donc voilà pour le deuxième avantage. Maintenant, on va parler du troisième énorme avantage à arrêter complètement les produits d'origine animale. Alors, il s'agit des maladies coronariennes. Alors, qu'est-ce que c'est les maladies coronariennes? Le cœur, comme vous le savez, c'est la pompe qui, dans l'organisme, est chargée de distribuer le sang aux différents organes. Mais le cœur, il a aussi besoin de se perfuser lui-même. Il a besoin d'oxygène, comme tous les organes. Alors, comment il arrive-t-il à se perfuser lui-même, le cœur? Eh bien, la plus grosse artère qui sort du cœur, c'est l'aorte. Et de l'aorte partent de petites artères qu'on appelle les artères coronariennes qui vont entourer le cœur, d'où le nom coronarienne, et qui vont irriguer les différentes parties du cœur ensemble. Malheureusement, il y a une maladie qu'on appelle l'athérosclérose, qui, avec le temps, va dégrader ces artères coronariennes. Donc, il y a un phénomène inflammatoire. Il y a aussi un phénomène de dépôt de lipides, mais pas que, au niveau de la paroi interne des artères qu'on appelle l'intima. Et à force, le calibre de ces artères coronariennes va se rétrécir. Lorsque le calibre des artères coronariennes est partiellement obstrué, ça donne une maladie qu'on appelle l'angine de poitrine. Voilà. Et l'angine de poitrine, ça va se traduire par une douleur à l'effort. Par exemple, lorsque vous êtes assis sur une chaise à ne rien faire, tout va bien. Mais lorsque vous montez les escaliers, un étage, ça va aller, deuxième étage, ça va aller, puis troisième étage, vous ressentez une douleur au niveau du thorax, ça ne va pas. Voilà. Vous vous sentez essoufflé, vous avez mal, vous arrêtez. Le fait d'arrêter de marcher, ça va mieux. Ça, c'est typique de l'angine de poitrine. Voilà. Puis on arrive à le prouver en faisant un examen qu'on appelle une coronarographie. Il y a un stade plus grave qui est l'infarctus du myocarde. Alors là, c'est comme l'angine de poitrine, sauf qu'il y a une obstruction totale de l'artère coronaire. Et donc, il y a une partie du cœur qui n'est plus perfusée. Alors, c'est la totalité, autant vous dire que là, c'est l'arrêt cardiaque. Hein. Vous allez décéder tout de suite. S'il n'y a pas un réanimateur à côté, vous avez peu de chances de vous en sortir. Mais par contre, si l'infarctus est partiel, eh bien, il n'y a qu'une partie du cœur qui va plus fonctionner. Donc, vous pouvez continuer à vivre grâce à la partie restante. Mais vous risquez de nécroser une partie de votre cœur et de souffrir ensuite d'insuffisance cardiaque. Voilà. L'effet d'arrêter complètement les produits animaux a un effet majeur sur la prévention des maladies coronariennes. Alors, c'est de l'ordre de 30%, c'est en moyenne. Il y a des études qui disent moins 10%, moins 20%. D'autres études disent moins 60%, mais en moyenne, c'est 30%. Voilà. Alors, ce n'est pas miraculeux non plus. Ce n'est pas en arrêtant la viande, vous n'allez pas avoir moins 90% de maladies coronariennes, mais c'est une baisse significative, prouvée par plusieurs dizaines d'études. J'en ai mis qu'une, là, par volonté de simplification. Une étude chinoise qui a une méta-analyse, une étude d'étude, où on a fait la synthèse de plusieurs études pour en faire une grosse. Et cet effet est absolument majeur et archi-prouvé. Alors, il y a de nombreux autres avantages, mais qui concernent des facteurs de risque ou qui concernent d'autres maladies pour lesquelles la baisse du risque est plus faible ou pour lesquelles le niveau de preuve est moins élevé. C'est pour ça que je l'ai mis sur une diapositive séparée à la fin. Alors, les autres avantages, c'est sur des facteurs de risque comme l'hypercholestérolémie. Alors, l'hypercholestérolémie, c'est un excès de cholestérol dans le sang. Alors, en soi, un excès de cholestérol, ça ne fait rien. Ce n'est pas une maladie en soi. Le problème, c'est comme c'est lié avec les maladies coronariennes, lorsqu'on a trop de cholestérol dans le sang, bien, on s'en préoccupe et on essaye d'agir en amont. Sachez que le fait d'arrêter les produits animaux, c'est aussi efficace qu'une classe de médicaments qu'on appelle les statines, aussi efficace pour faire baisser rapidement le taux de cholestérol dans le sang. Voilà. Autre facteur de risque sur lequel il y a un effet, c'est sur l'hypertension artérielle. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, l'hypertension artérielle, c'est un état physiologique où la pression à l'intérieur des artères est trop importante.
une tension normale, ça va être par exemple 130 mm de mercure lorsque le cœur se contracte, et puis 90 mm de mercure lorsque le cœur se décontracte. Ça, c'est une tension normale. Par contre, si vous allez chez votre médecin, il vous dit 18-11, alors là, la tension est très élevée. Et on peut parler d'hypertension artérielle par différents biais, par le fait que le sang est plus fluide, par le fait que l'alimentation végane est plus riche en micronutriments comme le potassium, plus riche en oméga-3. Et bien cela fait baisser naturellement la tension artérielle. Il y a à peu près 40% de moins d'hypertension artérielle chez les véganes par rapport aux personnes qui mangent régulièrement des produits animaux. Autre facteur de risque qui est prévenu s'il s'agit de l'obésité. Alors, encore une fois, il y a des obèses chez les véganes. Il y a aussi des personnes qui sont trop menues en mangeant de la viande, mais c'est une tendance. C'est-à-dire qu'en moyenne, le poids moyen des personnes qui mangent de la viande est plus élevé que le poids moyen des personnes qui sont végétariennes, et les personnes qui sont végétariennes ont elles-mêmes un poids plus élevé que les personnes qui sont véganes. Alors, suivant le pays dans lequel on fait l'étude, si on fait l'étude aux États-Unis, eh bien, les poids de tous les groupes végétariens, véganes et omnivores est plus élevé que si on fait la même étude en Angleterre. Mais à chaque fois, on retrouve ce même phénomène-là, que tout facteur égaux par ailleurs, les véganes ont un poids plus faible que les végétariens, que même un poids plus faible que les omnivores. Et donc, c'est un avantage pour lutter contre l'obésité. Alors, il y a aussi des avantages sur d'autres maladies, mais le niveau de preuve est moins bon, ou alors l'effet est moins spectaculaire. Je pense au cancer du côlon, au cancer de la prostate, également à la cataracte, mais il y en a aussi d'autres. Vous avez aussi, par exemple, les lithiases urinaires. Donc, c'est les calculs. Vous avez aussi la constipation, vous avez aussi la polyarthrite rhumatoïde. Il y en a d'autres, mais le nombre d'études est beaucoup plus faible. Alors, il y a également des faux problèmes que je vais aborder très rapidement. Les faux problèmes, ce sont les protéines, le fer, etc., dont on vous serine à longueur de journée. En fait, il suffit de manger à sa faim, il suffit de manger un nombre de calories normal pour couvrir facilement ses besoins en protéines. Et concernant le fer, c'est pareil. C'est plus un problème individuel, c'est plus lié aussi aux femmes qui, à cause de leurs règles, perdent du fer. Mais en fait, il n'y a pas plus d'anémie par carence en fer chez les personnes qui ne mangent pas du tout de produits animaux que par rapport à ceux qui en mangent régulièrement. Voilà. Les vrais problèmes, il y a des inconvénients. Alors, la difficulté à trouver la vitamine B12, le calcium, je pense qu'on ne parle pas assez du calcium, il y a effectivement une plus grande difficulté à trouver du calcium dans l'alimentation végane, qui se traduit par un sous-risque fracturaire. Voilà, il y a plus de fractures chez les véganes que chez les personnes qui consomment des produits animaux. Ce n'est pas une augmentation spectaculaire, mais ce phénomène existe, donc il faut insister sur une consommation régulière de calcium, calcium qu'on va trouver dans les choux, les brocolis, qu'on va trouver également dans la légumineuse, qu'on va trouver dans le tofu coagulé avec des sels de calcium, qu'on va trouver aussi dans certaines eaux minérales riches en calcium, qu'on va trouver dans des laits végétaux supplémentés en calcium, on va trouver également du calcium dans les amandes, dans le thym. Le thym, c'est en fait de la crème de graines de sésame. Donc, il faut manger régulièrement c'est ce type d'aliment. Si vous le faites, vous aurez les avantages du véganisme sans les inconvénients. Et pour la vitamine B12, eh bien, il suffit de se supplémenter. Voilà. Même s'il y a probablement certains aliments végétaux qui en contiennent, mais c'est quelque chose d'assez marginal. Alors, en conclusion, l'alimentation végane n'est pas une alimentation miraculeuse, mais les avantages l'emportent largement sur les inconvénients. Il ne faut plus voir l'alimentation végane comme un risque, mais au contraire, comme un moyen de faire baisser le risque global. Bien sûr, des éléments de vigilance existent, principalement la B12 et le calcium. Il y en a d'autres, il y a aussi l'iode, le zinc. Mais comme l'iode, le zinc n'ont pas un impact clinique évident, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé dans cette courte présentation.
Mais ces éléments de vigilance, ils existent aussi dans tous les modes alimentaires. Donc, si on était dans un monde où il y avait 99% de vegan et 1% de gens qui mangent de la viande, on prendrait la tête aux gens qui mangent de la viande en leur disant « Mais alors, tu as vitamine B9, mais alors, tu as vitamine C, où est-ce que tu trouves tes fibres alimentaires ?» On dirait ça, on en challengerait. On challengerait les personnes qui mangent de la viande. Donc, il faut essayer de faire la part des choses. Et si on fait la part des choses, bon, bah, globalement, les avantages l'emportent sur les inconvénients. Et ce n'est pas si difficile que ça d'équilibrer une alimentation végane. Voilà, merci pour votre attention. Donc, maintenant, nous allons pouvoir passer aux questions. Et je vais désactiver le partage d'écran. Voilà. Merci beaucoup. C'est très clair et je pense que vous avez pu éclairer sur beaucoup de questionnements liés à la santé liés à ce sujet. Donc, je passe la parole à Laure Ducos et ensuite nous passerons aux questions. Je précise, je vous encourage à noter des questions si vous en avez pour la fin. Voilà. Oui, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité tout d'abord. Je suis ravie d'être là et de pouvoir partager des informations et de la connaissance de ce qui se passe sur la question de l'élevage du point de vue environnemental et puis du point de vue politique. Au départ, on m'avait demandé de vous partager des éléments, surtout sur l'impact environnemental, mais je trouvais que c'était un peu réducteur. Et je me suis dit qu'en tant que, notamment étudiant à la Sorbonne, c'était important de savoir ce qui se passait aujourd'hui dans les sphères politiques sur la question de l'élevage et sur ce qu'il est possible de faire ou non. Alors, on est d'accord, ce n'est pas en 15 minutes qu'on va tout passer en revue, mais l'idée, c'est de vous donner quelques éléments et puis après de voir en fonction de vos questions. Donc, je vais quand même remplir la part de mon contrat qui est de parler de l'impact de l'élevage sur l'environnement, donc de l'élevage industriel. Tout d'abord, pour que vous sachiez de quel endroit je parle, nous, à Greenpeace, on est une organisation qui n'a pas un positionnement abolitionniste. Ça veut dire qu'on défend une réduction forte, voire très forte, de la consommation de produits d'origine animale, mais nous n'avons pas des demandes qui visent à éteindre ou à arrêter, à cesser tout élevage dans le monde ou en France. Ça, c'est important parce que du coup, je parle toujours de la réduction de la consommation de viande et on parle toujours de viande industrielle, en fait. Bon, tout d'abord, je crois que en termes d'impact environnemental de l'élevage, donc industriel sous-entendu, les deux plus gros impacts environnementaux sont sur le climat et la biodiversité. Il y en a plein d'autres, mais c'est surtout sur ceux-là que j'ai envie de revenir parce que ce sont des grands, grands enjeux de notre siècle. Pardon, j'ai le chat de ma voisine qui... qui squatte le bureau. Sur les questions de climat d'énergie, je ne sais pas si vous le savez, mais l'élevage est responsable donc, dans le monde de plus de 14% des gaz à effet de serre. Ce sont des chiffres qui font un consensus dans la communauté scientifique internationale. Et, pardon, j'ai peur qu'il va s'éteindre l'ordinateur comme c'était le cas tout à l'heure. Il est responsable de plus de, en gros, un quart des gaz à effet de serre au niveau mondial. Et ce qui est incroyable, finalement, c'est qu'il est responsable d'un quart des gaz à effet de serre. Si on prend l'ensemble de la chaîne alimentaire, il faut que j'arrive à me concentrer, c'est responsable de plus de 26% des gaz à effet de serre. En revanche, il y a seulement 37% de nos protéines et 18% de nos calories qui proviennent des produits d'origine animale. Donc, en fait, le ratio, il est extrêmement mauvais et complètement en défaveur de l'environnement et de la question du climat et de l'énergie. Là, je parle au niveau mondial. En France, c'est à peu près le même ratio. La chaîne alimentaire, elle est responsable, en gros, d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. Et il faut savoir qu'il y a non seulement la partie climatique, avec l'émission de méthane, puisque l'élevage est responsable non pas d'émissions de dioxyde de carbone, il y en a un peu, mais la majeure partie du gaz émis, c'est vraiment le méthane, qui a une durée de vie plus courte dans l'atmosphère, mais qui a un pouvoir réchauffant bien plus important que le CO2. Donc, c'est vraiment ça qui nous intéresse. Et en dehors de cet aspect climatique, il y a aussi tout l'impact sur l'empreinte. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde, l'élevage, il occupe plus de 80% des terres arables, c'est-à-dire des terres cultivables. Donc, ça, c'est gigantesque. 83% des terres arables. Et également. Si vous preniez toutes les surfaces liées à l'élevage, donc à la fois pour l'élevage lui-même et à la fois pour l'alimentation qui sert à nourrir le bétail,
Si vous rassembliez tout ça sur un même continent, ce serait équivalent, si vous voulez, à toute la surface de l'Amérique centrale, de l'Amérique latine et de l'Amérique du Nord. Donc, c'est, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est gigantesque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend toute l'agriculture et l'élevage, on a plus d'un tiers de la surface terrestre, donc je ne parle pas seulement en surface agricole cette fois-ci, mais plus de, vraiment de toute la surface terrestre qui est occupée pour ça, donc pour agriculture, élevage, et plus des trois quarts des ressources en eau douce. Et donc, je pense que vous êtes, j'imagine que vous êtes conscient des grands, grands enjeux qu'il y a autour de l'eau douce pour notre siècle et pour les siècles à venir, ou en tout cas les décennies actuelles et à venir. Le deuxième point qui est vraiment essentiel au-delà de la question climatique, c'est la question de la biodiversité. La biodiversité, je ne sais pas, j'imagine que vous connaissez, j'en sais rien, je ne connais pas du tout votre niveau de connaissance, mais j'imagine que vous connaissez l'IPBES, équivalent, si je caricature, mais du GIEC version biodiversité. Et l'IPBES fait des rapports régulièrement sur l'état de la biodiversité dans le monde. Dans leur dernier rapport, ils expliquaient qu'il y a 1 million d'espèces qui sont menacées d'extinction, dont la majeure partie dans les décennies à venir, c'est-à-dire vraiment prochainement, et que la raison numéro un au niveau mondial de l'érosion de la biodiversité, c'est la transformation, le changement d'usage des terres et des mers. C'est-à-dire quand on passe, par exemple, d'une forêt à un champ agricole et qu'on a déforesté pour ça. Ça, c'est vraiment la raison majeure. Donc, et si on suit ce raisonnement, on se rend compte, quand on suit ce raisonnement au sens de quand on suit les données scientifiques établies par l'IPBES, on se rend compte que l'élevage est l'un des facteurs majeurs de perte de la biodiversité. Et je pense que vous avez tous entendu parler des nombreux incendies qui ont ravagé, qui continuent de ravager l'Amazonie notamment, et la déforestation qu'elle subit. Et en gros, les derniers chiffres que l'on a, c'est qu'il y a plus des 2/3 de l'Amazonie qui ont été déforestés à cause de l'élevage. Donc, on a vraiment un impact majeur. Et les scientifiques définissent la biodiversité comme un filet de sécurité, pour reprendre leurs mots. C'est vraiment ce qui permet à l'humanité, finalement, de vivre et de survivre. Et dans le cadre, dans le contexte actuel de crise Covid, je ne sais pas si vous avez suivi, mais là, alors il n'y a pas de lien direct entre déforestation et Covid-19. Ça, il faut faire attention, il ne faut pas faire des raccourcis tout de suite. En revanche, on sait que la destruction des forêts, la destruction de la biodiversité perturbe les équilibres, perturbe les écosystèmes et donc fragilise l'équilibre qui existe entre les espèces vivantes et favorise dans certains cas les interactions entre humains et faune sauvage. Et dans ce cadre-là, les virus qui existent à l'état naturel et qui sont très nombreux dans certains écosystèmes peuvent contaminer l'humain, contaminer certains animaux, puis contaminer l'humain. Et il y a certaines espèces qui font office d'espèces tampons, c'est-à-dire qui vont être contaminées mais ne vont pas ensuite être en contact avec l'humain, dont les équilibres peuvent être perturbés et in fine on se retrouve avec des plus forts taux de contamination et donc un nombre croissant de pandémies sur les dernières années. Donc je trouve que ça fait particulièrement sens de parler de consommation de produits animaux et d'élevage industriel en cette fin d'année qui a été profondément marquée par le Covid-19. Même si encore une fois, attention, le lien n'est pas direct dans le cadre du Covid, mais dans le cadre des pandémies en général, oui. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, je ne vais pas aller sur le détail de tous les autres impacts du point de vue environnemental de l'élevage industriel parce qu'ils sont nombreux d'une part et parce que d'autre part, je pense que vous pouvez trouver très facilement beaucoup d'informations sur Internet et vraiment, si vous en manquez, je pourrais transmettre les rapports qui existent de Greenpeace où vous pouvez très facilement trouver sur le site de Greenpeace des détails simplifiés ou détaillés en fonction de votre appétence, votre niveau d'envie pour le détail scientifique, mais qui explique tout ça, qui parle d'antibiorésistance, donc de l'impact à la fois sur l'environnement et sur la santé, qui parle de la pollution de l'eau, qui parle de la pollution des sols, qui parle des algues vertes, montagne, etc., etc. Mais tout ça, honnêtement, vous le trouvez facilement sur Internet. Là, ce que j'avais envie de partager avec vous, j'ai envie de profiter de cet échange en direct discuter de politique. C'est-à-dire, une fois qu'on sait que l'élevage industriel cause ces ravages-là et qu'on a décidé de prendre en main le sujet et donc d'agir sur la question de l'élevage, comment est-ce qu'on s'y prend ? Comment est-ce qu'on s'y prend du point de vue politique ? Alors, bien sûr, il y a l'acte individuel qui vise à réduire sa consommation de produits animaux. Nous, Greenpeace, on ne prône pas le véganisme, mais s'il y a des véganes, des personnes qui décident de devenir végétaliennes ou véganes, ça contribue au panel de solutions qui est possible de mettre en œuvre. Et ensuite,
Le problème, c'est que l'acte individuel, il est essentiel pour être en cohérence avec ses valeurs, pour montrer l'exemple, pour impulser un mouvement national et international, mais il n'est pas suffisant. C'est-à-dire que si on n'a pas des politiques publiques cohérentes, nous n'arriverons pas à maîtriser la crise climatique, à la ralentir ou à maîtriser les impacts désastreux du point de vue environnemental et sanitaire. Donc, en fait, c'est alors, simple en théorie, bien sûr, ça l'est moins en pratique, mais qu'est-ce qu'on peut faire au niveau politique ? D'une part, il faut transformer les modèles de production. Transformer les modèles de production, ça veut dire agir sur la politique agricole commune, qui est une des plus grandes politiques européennes et qui oriente l'ensemble du modèle agricole français. La politique agricole commune a été votée cette année et elle est catastrophique. Donc, on est reparti pour 7-8 ans de politique qui va favoriser l'industrialisation de l'agriculture en général et de l'élevage. Donc ça, c'est une très grande déception pour les nombreuses associations et scientifiques et citoyens qui ont travaillé sur ce sujet. En revanche, il y a aujourd'hui les débats qui ont commencé pour l'adaptation de cette politique agricole commune au contexte français, dans le cadre de ce qu'on appelle le plan stratégique national, le PSN. Ce PSN, il va être vraiment discuté là au premier semestre 2021. Donc, il y a besoin d'influence, de mobilisation des associations, des citoyens, des étudiants, des étudiantes, de tout le monde. Donc, ça, c'est un premier cadre pour orienter les financements publics et donc orienter l'ensemble du modèle agricole et d'élevage français. Ensuite, en dehors de ça, il y a les décisions ou non du gouvernement de soutenir l'agriculture biologique. Maintenant, il faut être très clair. Si on veut nourrir tous les Européens en 2050 en réduisant au maximum les impacts en termes de gaz à effet de serre, d'érosion des sols, d'érosion de la biodiversité, etc., c'est-à-dire en se passant de pesticides de synthèse, d'engrais de synthèse, etc., c'est possible. C'est possible, mais pour ça, ça veut dire qu'il faut, un, réduire drastiquement les niveaux de consommation, et deux, ça veut dire qu'il faut remettre au cœur de nos modèles d'élevage. Si on conserve l'élevage dans ce modèle-là, il faut remettre au cœur de ce modèle les prairies permanentes. Donc, c'est rendre l'élevage extensif, c'est-à-dire arrêter d'avoir des fermes-usines avec beaucoup d'animaux entassés dans des petites fermes, et au contraire, avoir des élevages pâturants, des élevages bovins, porcins, etc., qui sont sur de l'herbe et pas dans des grosses fermes-usines à qui on donne à manger du soja qui a engendré la déforestation, par exemple. Donc, un aspect extensif, c'est-à-dire remettre les prairies permanentes qui vont favoriser le stockage de carbone et la biodiversité dans le système agricole français ou européen, ou même international, on est obligé de réduire drastiquement les niveaux de consommation. Donc, il y a toujours un jeu pour ça entre le modèle de production qu'on veut et les niveaux de consommation. Et je ne l'ai pas dit, je ne crois pas que ça a été dit par Jérôme ou Dominique, mais en gros, en France, on consomme le double de la moyenne au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on est la moyenne au niveau mondial, elle est à 43 kilos équivalent carcasse. Donc, c'est en kilos équivalent carcasse, ce n'est pas la quantité ingérée, mais c'est la quantité achetée. En France, on est à 89 ou 86 kilos, 86-87 kilos équivalent carcasse. On est au double de la moyenne mondiale. Donc, on a une responsabilité en tant que Français et Française sur ce sujet pour consommer beaucoup moins. Maintenant, quand on veut, avant même de parler de consommation, si on veut arriver à consommer moins et mieux, parce que du coup, c'est ce message-là que l'on promeut, il faut arriver à accompagner la reconversion des éleveurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, juste arriver avec un message en disant « il ne faut plus d'élevage, il ne faut que du véganisme », de mon point de vue, ça s'entend, mais ça ne passe pas du tout. Ça ne passe mais alors vraiment pas. C'est-à-dire qu'on a des éleveurs et des agriculteurs qui sont en détresse, qui sont endettés jusqu'au cou, et les éleveurs en particulier, souvent, ont mis la main dans une machine infernale, où ils ont fait des sacrés investissements, notamment pour avoir des élevages plus performants, plus sains, etc. Et se retrouvent avec des infrastructures ou des machines qui leur ont coûté des centaines de milliers d'euros. Et ça, ils ont besoin de l'amortir. Sauf que nous, on n'en veut plus de ce modèle-là. Donc pour ça, ça veut dire qu'il faut un accompagnement, notamment financier, pour que ces éleveurs et ces éleveuses les plus industrielles puissent se reconvertir vers des modèles d'élevage moins intensifs, voire arrêter l'élevage et faire autre chose et faire notre agriculture. Même si ce message-là, honnêtement, il n'est pas entendable par les éleveurs, soyons clairs. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a besoin de prendre soin aussi, de réfléchir à quelle transformation on fait, comment est-ce qu'on gère les emplois et comment on gère l'économie quand on veut transformer notre modèle agricole et l'élevage en particulier. Donc ça, c'est pour tout l'aspect production. Et ensuite, il y a l'aspect consommation. Donc, si on veut que tout le monde puisse réduire sa consommation de viande en France, comment est-ce qu'on fait ?
En fait, il n'y a pas 36 000 façons. Il y a déjà l'acte individuel dont on a parlé. Si on veut faire ça, ça veut dire qu'il faut beaucoup de programmes de sensibilisation, mais ça veut dire aussi qu'il faut permettre à tout le monde d'accéder à une alimentation de qualité, à manger moins et mieux. Et comme on l'a vu avec le docteur Bernard Pellet, si on veut une alimentation équilibrée, il y a des choses quand même à prendre en compte. Il faut faire attention, on ne peut pas juste manger des pâtes, enlever la viande, et si on fait ça, ça ira mal, en gros, du point de vue de la santé. Or, là, en France, il y a une très grande précarité alimentaire, et dans le milieu étudiant, notamment. Je ne sais pas si la Sorbonne, c'est le cas, j'avoue que j'en doute un peu, mais je me trompe peut-être, mais il y a beaucoup d'endroits où il y a des gros, gros problèmes. Il y a des étudiants, et pas que, hein, aussi d'autres personnes, d'autres pans de la population, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, et qui, à la fin du mois, ont des gros problèmes de trésorerie, et qui ne mangent pas à leur faim. Donc ça, c'est un vrai problème, et avec la crise du Covid, ça s'est aggravé. Donc ça veut dire que si on veut que tout le monde puisse consommer moins et mieux, moins de viande, c'est plus de légumineuses, mais les légumes, s'ils sont pleins de pesticides, ce n'est pas bon non plus. Donc si on veut transformer la consommation, ça veut dire qu'il faut accompagner ça. Et par exemple, il y a différents moyens d'accompagner ça. Alors nous, Greenpeace, on ne s'est pas encore positionné sur tel ou tel modèle, mais il y a des exemples aux États-Unis et ailleurs de chèques alimentaires, par exemple, de bons alimentaires. Ça a été, la Convention citoyenne pour le climat le propose, et ça a été validé par Emmanuel Macron juste lundi, donc il y a deux jours. Entre toute attente, à la surprise de tout le monde, il a annoncé la mise en place de chèques alimentaires. Est-ce que ça va être bien fait? On ne sait pas. On attend de voir. Ensuite, il y a d'autres modèles comme la sécurité sociale alimentaire. C'est une sorte de, comme une caisse d'assurance maladie, mais qui serait au niveau de l'alimentation, avec un budget d'environ 150 euros qui serait attribué à tout le monde, avec un système de cotisation pour le financer. Ça, c'est un modèle dont on pourra reparler parce que c'est complexe, mais je trouve ça particulièrement radical et pertinent et passionnant. Et c'est porté par Ingénieurs sans frontières, la Confédération paysanne et d'autres acteurs du monde agricole et alimentaire. Et ensuite, si on veut transformer non pas l'acte individuel, mais aussi la consommation des individus en France, mais via les institutions, notamment publiques, un autre levier d'action important, c'est la restauration collective. C'est la restauration collective, c'est la restauration scolaire. Et c'est la raison pour laquelle, depuis plus de 3 ans, maintenant, Greenpeace, mais aussi L214, l'Association végétarienne de France et d'autres organisations militent et ont beaucoup fait beaucoup, beaucoup de plaidoyers pour qu'il y ait plus de menus végétariens dans les écoles. Menus végétariens, menus végétaliens. Menus végétariens IBRAC, enfin, le terme de végétarien IBRAC, alors végétalien, je vous laisse imaginer. Et aujourd'hui, on fait partie, là, je représente Greenpeace dans des instances nationales interministérielles pour définir les nouvelles règles, les nouvelles recommandations du point de vue nutritionnel pour les cantines scolaires et on se fait un groupe de partage interassociatif, donc on travaille en ce moment, on est en train de se coordonner avec le 114, Association végétarienne de France, Réseau Action Climat, etc., pour peser sur le projet de loi qui va être issu de la Convention citoyenne pour le climat et qui va paraître a priori en mars. Et donc là, on va voir ce qui va se passer. Il va y avoir besoin de beaucoup de mobilisation des associations, des citoyens, des citoyennes, des étudiants et des étudiantes. Et ça, je pense que c'est important et que là, vous avez un vrai rôle à jouer en tant qu'étudiant parce que le gouvernement a peur, c'est-à-dire qu'il est, enfin, a peur. En tout cas, ils ont peur de vouloir d'imposer quoi que ce soit, même si c'est une option, que ce n'est pas vraiment imposé, mais ils ont peur de faire avancer le sujet des menus VG et qu'il y ait une levée de bouclier. Or, chez les 16-25 ans, donc a priori votre tranche d'âge, chez les 16-25 ans, il y a plus d'une personne sur 10 qui est végétarienne en gros, 11% ou 12% de végétariens, de végétariennes. Donc ça veut dire que les étudiants, sont, en tout cas tous ceux qui sont dans cette frange-là, sont particulièrement pertinents pour faire des actions et demander au gouvernement de faire en sorte que la proposition de la Convention citoyenne pour le climat soit appliquée. Donc là, il y a un vrai levier d'action qu'il ne faut pas sous-estimer, parce que plus il y aura de corps, en fait, de secteurs qui se mobiliseront, les étudiants d'un côté, les parents de l'autre, les médecins encore d'un autre côté, plus il y aura de poids et plus on pourra faire avancer les politiques publiques en faveur de plus de végétal et, à notre sens, plus de viande de qualité aussi, c'est-à-dire moins de viande industrielle au profit de la qualité, parce qu'en restauration collective, il y a beaucoup de viande importée. Et ce n'est pas non plus le but, on veut aussi que relocaliser et que ça serve le modèle agroécologique français. Voilà, je vais m'arrêter là juste sur un mot pour conclure. En termes de mobilisation, je ne me rends pas compte parce que là, en plus, il n'y a même pas de caméra, il n'y a rien, il n'y a que des noms sur un écran noir. Donc, je ne vous ai pas demandé avant, mais s'il y a des personnes qui sont véganes parmi vous, ou végétariennes plus et qui comptent se mobiliser
cette année ou l'an prochain en faveur de plus de véganisme. J'invite vraiment à de la bienveillance et à de la réflexion sur le mode d'action et le mode d'expression, parce qu'aujourd'hui, le terme de vegan, etc., ça crispe, et L214 l'a bien compris, ça fait plusieurs années là maintenant qu'il parle des vaches industrielles, de parler de véganisme ou d'abolition de l'élevage, et ça passe beaucoup mieux, et ça fait avancer les choses. Parce que quand on parle véganisme ou qu'on fait des attaques sur les boucheries, par exemple, c'est une manière de faire tellement violente, tellement incomprise, que ça ne fait que crisper les débats, aggraver les tensions dans le milieu, et ça ne fait pas avancer la cause animale. Donc aujourd'hui, on a besoin vraiment de réfléchir à comment tous ensemble, on peut s'y mettre avec douceur et radicalité, ça n'empêche rien du côté de la radicalité, mais pour que vraiment le mouvement en faveur de la cause animale puisse avancer. Je vous remercie à tous les trois de votre intervention. Nous allons passer à la partie questions. Donc, pour la partie questions, nous avons à la fois des questions sur le live Facebook, et donc nous allons retransmettre. Et pour ceux qui sont sur le Zoom, soit vous m'envoyez un message en privé pour en écrivant votre question et je la poserai directement. Soit vous pouvez la poser vous-même directement sur le Zoom, voilà. Mais dites-moi si vous avez une question. Alors oui, bien sûr, vous pouvez mettre vos caméras si vous voulez. C'est sûr que c'est plus agréable pour tout le monde. Donc, nous allons commencer par une première question sur le live Facebook de Sophia Olmos. Donc, quelles sont les actions menées contre la pêche intensive pour éviter la disparition des poissons d'ici 2050, tant de la part des associations que des gouvernements ? Qui veut commencer à intervenir ? Je peux dire un mot et Dominique, tu compléteras. Je pense que vous avez beaucoup de choses à dire. Aussi, moi, je vais le dire très simplement, il y a beaucoup de structures qui travaillent contre la pêche industrielle. Merci d'avoir posé cette question parce que je l'ai oublié de le citer, mais elle est essentielle. En gros, la majorité du milieu marin, il est abîmé par l'activité humaine. Donc, il y a une urgence à agir. Aujourd'hui, il y a des associations comme Bloom qui travaillent pour lutter, pour éliminer les méthodes de pêche les plus destructrices. Il y a un travail qui est fait par d'autres organisations. Greenpeace en fait partie, par exemple, pour obtenir la création au niveau mondial d'un traité de la haute mer. Parce qu'au niveau de la pêche industrielle, il y a un gros souci, c'est que les juridictions internationales ont beaucoup de vides juridiques. C'est-à-dire que autant la France peut décider de ce qui se passe sur son territoire maritime, et elle a le deuxième plus grand terrain de pêche au monde, donc elle a de quoi faire, mais il y a aussi tout un pan des eaux qui sont des eaux internationales et où le contrôle est absent, ou présente de nombreux défauts. Et donc, il y a beaucoup de pays qui ne respectent pas ça. Et on le sait, même quand il y a parfois des traités, ce n'est pas respecté. Et par exemple, le Japon a continué la pêche à la baleine alors qu'il n'avait pas le droit. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a à la fois des actions importantes à mettre en œuvre, comme ce traité de la haute mer pour protéger un tiers des océans au niveau mondial, des océans et des mers. Et à la fois, dans certains cas, ça marche moins bien. Et là, il va falloir avoir beaucoup de diplomatie et de négociation pesant notamment sur le poids de l'Europe au niveau commercial, pour faire en sorte que ce genre de choses n'arrive pas. Et enfin, bien sûr, un des gros, gros problèmes sur la pêche industrielle, c'est la pêche illégale. J'ai cité le Japon avec la pêche à baleine, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la Chine qui pille beaucoup dans les eaux au large des côtes africaines, mais il y a aussi le Portugal. Et la France, franchement, je suis sûre qu'il y a des bateaux français qui font aussi la pêche illégale. Et ça, c'est un vrai fléau. Et pour ça, il y a besoin de moyens. En fait. C'est-à-dire qu'il y a certaines réglementations, mais il y a besoin de beaucoup plus de moyens de contrôle pour vérifier ça. C'est très difficile à l'heure actuelle et donc il y a besoin d'une forte mobilisation des États et des citoyens pour ça. Je sais que Sea Shepherd aussi travaille là-dessus et L114, je sais que vous travaillez sur la pisciculture, mais je ne sais pas sur la pêche sauvage. Je te laisse la parole. Sur la pêche sauvage, non, pas tellement. Moi, c'est pas un domaine que je connais bien, en fait, même si je te rejoins, Laure, en tout cas, pour remercier d'avoir posé cette question, parce que c'est vrai que nous, ce qui va nous intéresser plutôt chez L214, c'est plutôt le traitement des poissons en tant qu'individu, c'est-à-dire pas tellement en tant qu'espèce ou la question de la préservation des ressources. Alors, c'est vrai, comme disait Laure, il y a effectivement... Au niveau de la réglementation, il y a des quotas, par exemple. Hein, vous avez peut-être vu récemment, il y a eu des reportages sur les coquilles Saint-Jacques, par exemple. Hein, comment il y a des heures, voilà, très très limitées où on peut aller pêcher les
les coquilles Saint-Jacques. S'agissant des poissons en tant qu'individus, c'est un travail qui est important, qu'on a à faire et que peu d'associations font, peut-être un peu Sea Shepherd qui aborde un peu les poissons en tant qu'individus, même si leurs actions s'appuient surtout sur des tentatives de maintien ou de respect des traités internationaux contre la chasse à la baleine, par exemple, ou le thon rouge en Méditerranée, ou les cétacés en mer de Cortés, par exemple, où là, c'est plutôt des réglementations qui visent à protéger ces animaux en tant qu'espèce plus qu'en tant qu'individu. Et au niveau de la réglementation, par exemple, sur la mise à mort des animaux, les poissons sont des animaux sur lesquels on s'est assez peu penché. Il n'y a aucune réglementation qui encadre la manière dont ces animaux sont mis à mort. L'éthologie, la science du comportement animal, s'intéresse depuis quelques années aux poissons, mais c'est quand même assez récent. On découvre des choses assez étonnantes sur leur capacité de mémorisation, sur leur relation sociale, sur leur intelligence, sur leurs émotions également. Parmi les autres problèmes qu'on peut citer, donc il y a la pêche industrielle, clairement, que l'association Bloom, dont Laure a parlé, n'hésite pas à parler de navires de guerre, en fait. Hein. C'est vraiment les bateaux qui vont chercher des poissons. C'est vraiment, c'est vraiment une guerre, en fait, qui est menée contre ces animaux. Il y a la question des ce qu'on appelle le bycatch en anglais, c'est-à-dire que beaucoup d'animaux marins qui sont pêchés ne sont pas, en fait, commercialisables. Donc, il y a beaucoup d'espèces qui sont rejetées à la mer, enfin, beaucoup d'animaux qui sont rejetés à la mer, agonisants ou morts. Et il y a ce qu'on appelle aussi la pêche fantôme, qui est un fléau considérable, c'est-à-dire les résidus de matériel de pêche, de filets en particulier, qui dérivent et qui attrapent des dauphins, des tortues, des poissons, et qui sèment vraiment un véritable carnage. Alors, à cela s'ajoute la pollution plastique, notre pollution plastique à nous, humaine et continentale, hein, qui se déverse, je crois que c'est l'équivalent d'un camion par seconde dans les océans, et donc qui pose d'énormes problèmes et dont on voit pas très bien le bout. Donc je rejoins Laure sur la noirceur du tableau et sur le besoin que les associations ont à travailler sur ces questions, même si c'est un contexte très très difficile, parce qu'il y a très peu d'empathie, en fait, en général envers ces animaux. Nous, on se dit souvent, les associations de protection animale, que si on devait tout arrêter et vraiment se focaliser sur une seule priorité, ça serait les poissons. Mais on trouverait assez peu dans la population, je pense. Et là où c'est très pertinent, ce que vous faites avec 414 aussi, c'est que vous travaillez, vous avez fait des enquêtes récemment sur la pisciculture, et le problème de la pêche industrielle de poissons sauvages, c'est qu'il y a toute une partie qui est destinée à l'alimentation de la pêche, de la pisciculture, de l'aquaculture, voilà. Donc il y a un vrai problème. Alors, je n'ai pas révisé mes chiffres, mais en gros, pour un kilo de poisson d'élevage, il faut entre 2, 3 et 5, 6 kilos de poissons sauvages, quand on parle de poissons carnivores, bien sûr. Donc, une des premières choses à faire quand on a une réflexion sur le poisson, c'est de manger plutôt des poissons herbivores que carnivores, déjà, et d'éviter les poissons sauvages. Et ensuite, il y a aussi tout ce qui est mis en farine, et notamment pour les croquettes des animaux domestiques. Donc, il y a une partie qui sont des coproduits de l'élevage, mais il y a aussi une partie de la pêche qui sert à ça. Sert à l'alimentation des animaux domestiques. Donc, il y a un vrai sujet aussi sur tout ça. C'est pour ça que je suis ravie d'avoir le chat de ma voisine et pas de chat moi-même. Je n'ai pas résolu ce dilemme. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas vraiment à les poser avec vos caméras, parce que là, vraiment, on se sent un peu seul. Alors, je vais poser... Merci pour ces réponses. Je vais poser une question de Mathieu... qui demande, concernant la B12, donc je m'adresse au docteur Bernard Pellet, je pense, est-il possible de se passer de médicaments avec une alimentation végétarienne stricte, ou sommes-nous sujets forcément à des carences? Voilà. Alors non, on n'est pas forcément sujet à des carences. Je dirais même qu'en moyenne, il y a moins de carences avec une alimentation végane bien menée qu'avec une alimentation standard
qui va nous mener à des carences en fibres alimentaires, en vitamine B9, en vitamine C, vitamine E aussi. C'est très peu connu, très peu médiatisé. Il suffit de prendre l'étude Suivi Max, publiée en 2003 par professeur Serge Herberg. Et Serge Herberg, c'est une référence, c'est quand même le père du programme national Nutrition Santé. Et en fait, l'objectif de l'étude, c'était de mesurer l'éventuelle efficacité d'un complément alimentaire sur les maladies cardiaques ou les cancers. Bon, il a pu montrer, il a fait aussi sous-médiatisé, il a pu montrer qu'avec un simple complément alimentaire, on arrivait à baisser 30% les risques de cancer chez les hommes. Ça ne marchait pas chez les femmes, mais chez les hommes, ça marchait très bien. En prenant un tout petit complément alimentaire, rien du tout, il a pu montrer qu'en fait, il y avait énormément de carences alimentaires dans la population générale. Simplement, on n'en parle pas. Voilà. Bon, quand on est vegan ou végétarien, on est tellement challengé qu'on se sent obligé de se justifier. Alors que lorsqu'on a une alimentation conventionnelle, on ne se sent pas obligé de se justifier. Et du coup, on a l'impression qu'on a tout bon. Alors que les carences, presque tout le monde est carencé. Alors, pour la vitamine B12, ce n'est pas vraiment un médicament, hein, c'est un complément alimentaire. Sachez que l'écrasante majorité de la production de B12, c'est pour l'élevage. Donc, indirectement, lorsqu'on mange des produits animaux, on consomme énormément de compléments alimentaires, mais indirectement, pas simplement en B12, mais aussi dans d'autres vitamines, au calcium. C'est, en fait, et aux médicaments aussi, sachez que plus de 50% des ventes d'antibiotiques, en fait, c'est pour les animaux, pas pour les êtres humains, c'est pour l'élevage. Voilà. Alors, si vraiment, vraiment, on est réticent par rapport à prendre un complément. Maintenant, il y a des sources de vitamine B12 végétale qui émergent. Alors, j'en parle pas beaucoup parce que je les trouve économiquement chères. On parlait tout à l'heure de précarité alimentaire. Alors déjà que les étudiants n'ont pas forcément un énorme budget pour bien s'alimenter. Alors, si en plus ils doivent utiliser des astuces pour avoir leur B12, mais qui est cher, c'est pas forcément pertinent. Mais c'est intéressant de savoir que ça existe. Il y a des procédés. Alors, il y a un procédé, par exemple, en faisant la culture de champignons shiitake. Alors, le champignon shiitake ne produit pas lui-même la B12. D'ailleurs, aucun être vivant, à ma connaissance, sont capables de produire la B12, sauf les bactéries. Mais c'est comme de la même façon que les légumineuses concentrent l'azote en travaillant en collaboration avec des bactéries. Il y a des champignons, notamment le shiitake, qui collaborent avec des bactéries. Et du coup, dans le champignon, eh bien, on peut en trouver. Alors, ce n'est pas dans le champignon shiitake que vous pouvez acheter dans le commerce, mais il y a des sociétés qui savent faire ça, qui savent produire ce type de champignons. Alors, je pense notamment à la société Biofrère, il y en a d'autres. Il y a aussi la société Sunday qui distribue ça, donc c'est possible. Il y a d'autres sources, je pense à la spiruline. Alors, effectivement, on a cru qu'ils étaient que des analogues, mais ces analogues de B12 ont une activité biologique finalement. Donc, la spiruline semble une possibilité. Également, l'algue clamate. Donc, voilà quelques sources, on va dire, naturelles de vitamine B12. Donc, on n'est pas obligé de se supplémenter. Mais à part la solution peut-être de la société Biofrère et Sunday, les autres solutions sont très chères. Et souvent, la quantité en B12 n'est pas garantie dans le produit. Donc, c'est des inconnus, est-ce que ça va marcher ou pas. Voilà. Donc, voilà pour la réponse à cette question. Et pour la question des carences, les carences ne sont absolument pas une fatalité. Globalement, c'est surtout la B12 et le calcium qui sont les deux principaux de vigilance. Une fois qu'on a résolu les questions de la B12 et du calcium, globalement, franchement, il n'y a pas de problème. Il y a même moins de carences. Tu as une autre question, Jérôme, dans le chat. Oui. Alors, j'ai vu. Alors, je vais la lire. Concernant l'augmentation de l'espérance de vie, comment savoir que c'est bien lié à l'alimentation végane plutôt qu'à des conditions, mode de vie plus sains qu'il y a cette population? Alors, c'est une très bonne question. Je vais essayer de répondre brièvement, mais ce n'est pas facile. C'est une question méthodologique. La science en nutrition, ce n'est vraiment pas facile. Ce n'est vraiment pas facile parce que c'est difficile de constituer des groupes comparables. Comment isoler un facteur par rapport à un autre, eh bien, c'est le défi le plus grand qui existe dans la science nutritionnelle, qui est la science une des plus imparfaites qui soit. On a quand même des modèles mathématiques, on ne sait pas rien, donc pas recoupement. En fait, lorsqu'on compare une population qui mange de la viande avec une population qui n'en mange pas, on fait très attention à ce qu'on appelle aux facteurs confondants, même nombre de fumeurs, activité physique comparable, etc., âge comparable, etc., etc. Donc, on fait très attention à ça.
Et donc, il y a des facteurs correctifs mathématiques pour rendre les populations comparables. Ça n'a pas la prétention d'être aussi fiable, aussi efficace que la randomisation. Voilà. Mais on a des moyens indirects. En fait, ce n'est pas vraiment le véganisme qui augmente l'espérance de vie. C'est surtout que l'écrasante, à part, désolé, il peut y avoir peut-être le poisson, bon, mais à part ça, globalement, l'écrasante majorité des aliments qui augmentent l'espérance de vie, qui ont une prétention comme ayant un effet vraiment bénéfique pour la santé, c'est presque toujours des aliments d'origine végétale. Je vais vous citer des super aliments d'origine végétale. Ail, oignons, poireaux, les mûres, les framboises, les fraises, les grenades, également la salade, les épinards. Voilà. Ces aliments-là, les graines de lin, ils ont la prétention d'avoir des effets biologiques majeurs, de baisser la tension artérielle, de diminuer les risques d'athérosclérose. On le sait parce que dans des études qui n'ont pas du tout étudié les véganes ou les végétariens, on demande aux gens qu'est-ce qu'ils mangent, on les suit dans le temps, on fait une cohorte et puis on les suit 10 ans, 20 ans, 30 ans. Alors maintenant, il y a des chercheurs qui sont très pointus là-dessus, c'est les Chinois. Les Chinois ont complètement réussi à être maintenant les leaders de la recherche en nutrition dans le monde. Voilà, c'est plus les États-Unis. Et on essaye d'isoler les aliments qui sont bons pour la santé. Et quasiment, pratiquement toujours, ce sont des aliments écrasants, ce sont des aliments végétaux qui ont ce pouvoir-là. Donc, ce n'est pas étonnant, après, que ce soit les populations végétariennes ou véganes qui ont une tendance plus naturelle à manger plus de végétaux, qui vont avoir une plus grande espérance de vie. Mais attention, tous les aliments végétaux ne sont pas bons pour la santé. Il y a évidemment des produits très dangereux pour la santé qui sont végétaux, par exemple les chips, par exemple les produits ultra transformés, qui peuvent être techniquement véganes, mais pas du tout bons pour la santé. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai une question pour M. Aufbauer, je pense, donc de Clémence Noyau. Que faire des animaux issus des élevages si la société devient végane? Les espèces domestiques telles que les moutons, les vaches, les porcs ou les poules sont-ils voués à disparaître? Alors ça, c'est une très bonne question. Ouais, merci de l'avoir posée. C'est une question assez fréquente. Il y a plusieurs éléments de réponse. Il y a un exemple que j'aime bien prendre, qui est celui des chevaux, par exemple, qui était très utilisé jusqu'au début du XXe siècle, à la fois dans l'armée, par exemple, comme force aussi, comme traction dans les travaux agricoles, et puis comme traction pour les transports. Et avec la mécanisation, ça a été historiquement une inquiétude sur la disparition ou du moins la raréfaction de ces animaux, et on voit bien qu'il y a suffisamment de gens qui sont attachés à ces animaux, qui aiment bien vivre avec eux, qui aiment bien en avoir, qui aiment bien avoir des relations un peu différentes avec eux. Il y a le cas des refuges, par exemple. Il y a tout un tas de refuges. Si vous allez sur un site internet, al214.com/refuge, vous verrez, il y a toute une liste de refuges, alors pas pour animaux de compagnie, mais pour animaux de ferme, qui se développent depuis 10-15 ans en France, où sont donc des animaux issus des élevages et des abattoirs, comme des cochons, des poules, par exemple, des ânes, des chèvres, vivent. Il y a aussi une autre piste intéressante qui est le réensauvagement. De tout un tas de territoires. Vous savez peut-être que plus de la moitié des céréales cultivées, Laure parlait de l'empreinte au sol des cultures pour l'élevage dans le monde, mais en France, c'est plus de la moitié des céréales qui sont cultivées, qui sont destinées aux animaux d'élevage. Et donc, dans un monde, vegan, un peu utopique, évidemment, on ne parle pas de quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Mais on est normalement, en théorie en tout cas, moins en besoin de surface agricole. Et donc, on peut tout à fait imaginer que ces animaux puissent être raccompagnés vers une vie en autonomie, sauvage, soit complètement sauvage, comme acquérir un statut un peu, enfin le même statut qu'ont les chevreuils ou les cerfs, par exemple, aujourd'hui, ou semi-sauvage, sous la surveillance, sous notre surveillance, dans des réserves, par exemple, ou dans des
ou dans des parcs. Et c'est quelque chose qui n'est pas compliqué à imaginer quand on voit un certain nombre d'élevages qui sont complètement, en fait, qui sont tellement extensifs, et des élevages français tellement extensifs que ce sont même plus des, enfin, c'est-à-dire qu'il y a, il y a même plus de clôture. Je pense aux élevages de cochons, par exemple, en Corse, où les cochons vivent en liberté complète, vont dans la forêt. Ce sont des animaux qui très rapidement retrouvent des comportements d'animal sauvage, retrouvent des comportements de sanglier. Toujours en Corse, il y a parfois sur certaines plages, on croise des vaches, par exemple, qui sont des vaches issues de... Voilà, qui étaient autrefois des vaches de quelqu'un, mais qui se sont échappées, se sont reproduites et qui vivent dans un état semi-sauvage. Donc, c'est pas compliqué à imaginer. Pour les poules aussi, les poules sont des animaux qui... Alors, il y a peu de gens qui le savent, mais qui sont des animaux de jungle, en fait, qui viennent d'Asie, qui sont de la famille des faisans et des paons, qui sont très adaptés à la vie en forêt. Et donc les deux pistes, je dirais, sont celles-là, c'est-à-dire un réaccompagnement vers la vie sauvage et puis les gens qui vont continuer à avoir des poules chez eux, des moutons chez eux, comme il y a des gens qui ont des ânes, par exemple. Enfin, voilà, on n'est pas trop inquiet pour la préservation de ces espèces. Évidemment, ils seront beaucoup moins nombreux. Là, on parle de 800 millions de poulets qui sont abattus par an en France, par exemple. Donc là, évidemment, cette population-là ne peut pas être libérée, et surtout pas libérée d'un coup. Oui, et par contre, j'imagine que les... Enfin, c'est pas j'imagine, mais ce qui est intéressant dans ce scénario-là, c'est qu'il y aurait tellement de milliers d'hectares de libérés en surface, parce que là, en gros, on a besoin en France pour se nourrir, avec l'alimentation qu'on a actuellement, de 26 millions d'hectares. La surface agricole actuelle, c'est 29 millions et on utilise 26 millions, sachant qu'en fait, il y a une grosse partie qu'on importe et 80% c'est pour l'élevage. Donc en fait, si on réduisait l'élevage de consommation animale, on libérerait beaucoup d'espace et on pourrait, je suis sûr qu'on se débrouillerait pour les espèces domestiques, mais surtout, on pourrait faire revenir la vie sauvage. Et ça qui manque en France. Avant, il y a des centaines d'années, il y avait des grands mammifères, il y a des aurochs en France, il y a des grandes plaines avec des aurochs. Il n'y a plus ça depuis très très longtemps, on l'a complètement oublié. Et moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de voir comment est-ce qu'on peut renouer avec le vivant, comment on peut recréer du lien et de la sensibilité vers le sauvage, vers le vivant, vers tous ces êtres autres qu'humains qui habitent autour de nous. Et en ça, je vous invite à lire, si vous ne l'avez pas encore fait, Baptiste Morisseau, qui a écrit plusieurs ouvrages absolument passionnants sur cette nécessité de recréer du lien sensible avec l'ensemble du vivant, et pas que le domestique, mais aussi ce sauvage. Ouais, et je rebondis aussi sur la question de la préservation des paysages, auxquels beaucoup de gens semblent tenir et qui souvent associent à l'élevage, comme les paysages bocagers ou les prairies permanentes, par exemple. On peut très bien imaginer que ces animaux anciennement d'élevage aient retourné à une vie semi-sauvage, puissent jouer exactement le même rôle qu'ils jouent aujourd'hui dans l'élevage, sans qu'il soit nécessaire de les destiner à l'abattoir. Merci beaucoup. Il y a une autre question de Mathieu Chevalier. Est-ce que la consommation d'œufs certifiés bio et en plein air est-elle compatible avec une alimentation végane ? Alors, je veux bien répondre. Alors, par définition, non, parce qu'une alimentation végane, c'est vraiment une alimentation végétale, donc qui exclut les produits animaux, que ce soit... Alors, ça va jusqu'au miel, hein, donc rien qui vient de l'utilisation des animaux. Donc, ça, c'est la définition. Maintenant, il est évident que quand on choisit... Alors, sur la question des œufs, je vais même l'élargir en fait, hein, et parler de tous les produits qui sont animaux, que ce soit du fromage, du beurre, du poulet, des saucisses, n'importe quoi. Quand on fait attention au label et qu'on privilégie des produits animaux qui viennent de la filière de l'agriculture biologique, il y a des cahiers des charges par filière qui contiennent des aspects qui sont attentifs aux conditions de vie des animaux et au bien-être des animaux, et ça serait malhonnête de dire que ça ne fait pas une différence.
clairement, quand on achète ces produits-là, on encourage des modes d'élevage qui sont alternatifs et qui portent une attention plus importante au bien-être des animaux. Donc là, vous avez un petit impact sur les conditions de vie des animaux qui sont élevés, le temps qu'ils sont vivants. Voilà. Après, quand ils vont à l'abattoir, ce sont les mêmes abattoirs, ce sont les mêmes rythmes, il y a les mêmes chaînes d'abattage. C'est exactement le même matériel, il n'y a pas d'abattoir bio. Et je rappelle que ça ne tranche pas la question de du droit qu'on s'arroge en fait sur les corps et les vies des autres. Il y a Charlotte dans le chat qui dit, pour les personnes qui sont sur Facebook, que la marque Pool House peut être une bonne alternative. Et effectivement, c'est cette marque qui, au lieu d'envoyer à l'abattoir les poules quand elles sont moins productives, les envoie dans des maisons de retraite pour poules. On va dire ça comme ça. Sauf qu'il me semble que dans Pool House, ça ne règle pas la question du broyage des poussins mâles à la naissance, puisque les mâles ne font toujours pas d'œufs, à ma connaissance. Et donc, il me semble que ça ne règle pas cette question-là pour Pool House. Mais c'est déjà la meilleure alternative qui soit à l'heure actuelle, je pense. Même si, par contre, ça coûte 6 euros la boîte de 6 œufs. Donc, voilà, il faut manger vraiment beaucoup moins si on veut rester dans son budget classique. Et il pratique depuis 2019 la sélection in vitro. Eh bien, génial. Merci, Charlotte. Je ne savais pas. Après, si je peux me permettre, je sais que, et peut-être Dominique pourra dire quelque chose par rapport à ça, j'ai lu que les poules peuvent remanger leurs propres œufs qu'ils font pour récupérer les nutriments qu'ils perdent en les faisant. Du coup, il y a ça aussi, si vous ne savez pas, à considérer. Et peut-être que, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose par rapport à ça, mais moi, j'avais lu ça et je trouvais ça assez intéressant. Oui, clairement. Hein. Surtout que ce sont les poules qui sont, même quand on les récupère, même dans les élevages plein air, en fait, les souches génétiques qui sont utilisées sont des souches qui ont été sélectionnées pour un taux de ponte vraiment, vraiment assez important. Alors, en élevage en cage, avec un programme de lumière artificielle, on arrive à les pousser jusqu'à quasiment 300 œufs par an, donc c'est presque un œuf par jour. Et c'est la raison pour laquelle on les réforme en fait, au bout d'un an et quelques mois, c'est que tout le calcium de l'organisme est parti dans la confection des coquilles. Et au bout une grosse année, les coquilles des œufs sont trop fines. Et donc, parce que voilà, il n'y a plus de calcium dans l'organisme. On a beau essayer de leur réinjecter du calcium dans l'organisme via l'alimentation avec des coquilles d'huîtres broyées, par exemple, des choses comme ça, mélangées à l'aliment. Mais voilà, on ne sait pas vraiment les faire tenir plus longtemps que ça, et donc c'est pour ça que la réforme pour ces animaux arrive très vite, et c'est pour ça que ces animaux, même quand on les élève en plein air ou quand on les récupère, parce qu'il y a beaucoup de gens qui récupèrent des poules en fin de vie par exemple, et pour avoir des œufs chez eux, elles ont quand même un taux de ponte qui est assez important, et donc elles ont des besoins en calcium qui sont assez forts, et qu'elles peuvent compenser partiellement en consommant leurs propres œufs. Excusez-moi, j'ai fait une réponse super longue à une question qui était simple. Merci beaucoup. Donc, nous avons une question de Laura sur le Zoom. Vous y avez un peu répondu, mais donc c'est concernant l'alimentation végane ou végétarienne. Elle est actuellement associée à une augmentation de consommation de produits transformés, notamment chez les jeunes. Qu'en pensez-vous ? C'est un gros problème, le défi. Alors, je vais vous sortir quelque chose qui va vous étonner. Mais en fait, je suis très optimiste quant à l'évolution de la consommation de viande dans le futur. Je pense qu'elle va s'effondrer. Enfin, s'effondrer lamentablement parce que, alors même s'il y a des lobbies très puissants en France, je suis bien au courant. Alors, je n'étais pas au courant là pour la PAC, qu'ils avaient renouvelé à peu près la même politique pour les 7 ou 8 prochaines années. Mais il y a des groupes de pression très puissants. Je n'ai pas forcément beaucoup de sympathie pour eux, mais ils existent. Hein. Fondation Melinda et Bill Gates, d'autres fondations, Google aussi, qui financent massivement en fait, la recherche pour des alternatives complètement véganes aux produits animaux traditionnels, viande, œufs, poissons, etc., etc. Donc je pense que ça va s'effondrer. Parce que c'est une volonté
très haut dans la pyramide, enfin, je pense. Hein. Je ne sais pas si tout le monde a cette analyse-là, je ne sais pas ce qu'on pense représentant le 114 Dominique ou Laure, mais je le vois venir. Mais par contre, ce sera des produits transformés de très mauvaise qualité, dangereux pour la santé. Clairement, les produits vegan ultra transformés sont très mauvais. Ils vont favoriser le diabète, vont favoriser les cancers, vont favoriser les maladies cardiovasculaires. Il ne suffit pas qu'un aliment soit techniquement vegan pour être bon pour la santé, pas du tout. Ce qui est bon pour la santé, c'est les légumineuses comme les lentilles, pois, pois chiches, haricots secs, fèves, soja. C'est le riz complet, le riz rouge, riz noir. C'est les fruits, c'est les oléagineux comme les noix, noisettes, amandes, cacahuètes, pistaches. C'est ça vraiment les ingrédients qui ont la prétention d'être bons pour la santé. Si vous éloignez de ça et si vous utilisez des aliments ultra transformés, clairement, vous allez abîmer votre corps. Alors, c'est bien pour l'éthique animale, c'est bien aussi pour l'écologie, parce que c'est vrai que ça va consommer moins de ressources, mais pour votre corps, c'est une catastrophe, donc résistez. Franchement, il vaut mieux manger des patates, du riz, quelques légumes et quelques fruits, que de payer assez cher ces produits, certes techniquement vegan, mais ultra transformés. Je parle dans l'alimentation de tous les jours. Par contre, là où ces produits peuvent être utiles, c'est pour des événements conviviaux comme Noël, pour ne pas vous sentir tout seul à Noël. Bah, allez-y, là, avec le pâté végétal, le foie gras vegan ou autres produits assez rigolos. Là, chez vous. Mais essayez de résister aux produits ultra transformés, clairement. Merci beaucoup. Il y a une autre question toujours de Sophia Olmos. Comment comprendre que seulement peu d'individus changent leur consommation malgré les informations, notamment sur les violences faites aux animaux ou les impacts écologiques, voire réagissent très vivement ou contre le végétarisme ou véganisme? Alors, je ne sais pas qui veut répondre à cette question, qui peut concerner nous trois, je pense. Alors, je vais essayer de répondre brièvement et laisser un peu de temps à mes collègues s'ils veulent également répondre. Et bien parce qu'il y a beaucoup de désinformation. Alors, moi, je fais partie de ceux qui sont convaincus et qui défendent l'idée qu'il faut absolument diminuer la consommation de produits animaux et que c'est bon pour la santé. Mais malheureusement, sachez que les nutritionnistes non financés par telle et telle filière, c'est ultra minoritaire. Quand vous allumez votre télévision, quand vous voyez un médecin à la télé, pas uniquement en nutrition, hein, c'est vrai aussi dans les autres spécialités, malheureusement. Hein. Vous allumez votre poste de télévision, vous allumez la radio, 9,5 fois sur 10, c'est un médecin qui a des conflits d'intérêts avec les filières, et donc il raconte n'importe quoi. Et ça enferme complètement les gens dans des dogmes, ça les empêche d'évoluer. On sait tous que, voilà, certains d'entre nous ont essayé de diminuer un peu la viande, on s'est diminué les produits laitiers, par exemple. Et puis, le jour où vous arrêtez les produits laitiers, votre grand-maman qui veut votre autre bien, ou vos parents qui veulent votre bien, et de façon sincère, hein, deviennent nutritionnistes et vous disent « Ah, mais tu sais, si tu arrêtes les produits laitiers, tu vas avoir plus de fractures, etc. » Bon, alors, ce n'est pas complètement faux, d'ailleurs, je n'ai pas donné le meilleur exemple. Et donc, il faut aller à la pêche à l'information sur Internet, de sources non contaminées par les conflits d'intérêts. Et malheureusement, ben, ça nécessite de l'énergie. Tout le monde ne le fait pas. Il y a d'autres obstacles qui sont les obstacles de convivialité. C'est-à-dire que la nutrition, ce n'est pas uniquement éthique pour la santé. C'est quelque chose de social. C'est quelque chose... Les gens mangent par plaisir. Donc ça, c'est des obstacles qui empêchent le changement. Voilà, je laisse la parole à mes collègues s'ils ont des choses à dire sur le sujet. Oui, je veux bien rajouter un élément qui pour moi est central. Hein. Et ça, en fait, c'est la même réponse pour la question du changement climatique. Pourquoi est-ce qu'on est au courant de ce qui se passe et on va quand même prendre l'avion deux fois dans l'année, on va quand même consommer beaucoup de viande, quand même tout ça. C'est le déni. Et ça, c'est vraiment une question psychologique, c'est une question de dissonance cognitive. Je pense que le mot-clé pour moi, il est là, c'est dissonance cognitive. C'est-à-dire que notre cerveau, quand on a été éduqué dans une société avec tous les enjeux culturels que Jérôme vient de citer, et que là, on apprend le désastre environnemental, sanitaire, éthique, lié à ce qu'on fait, lié à nos actes quotidiens qu'on fait, qu'on perpétue depuis des années, c'est beaucoup trop violent. Donc, notre cerveau a un réflexe de protection immédiat, il est dans le déni. Donc, il y a ça.
Et après, il y a les connexions synaptiques qui se font parce qu'on a des gestes qui sont répétés, répétés et encore répétés. Donc, notre cerveau est habitué. C'est-à-dire qu'il voit un morceau de viande, il est habitué. Et donc, c'est très difficile de défaire ça. Et je vous ai un livre que j'ai trouvé passionnant. Alors, je ne crois pas que ce soit traduit en français, malheureusement, mais qui s'appelle Meat Hooked. Donc, hameçonner à la viande, Meat Hooked, H-O-O-K-E-D, Meat Hooked, de Martha quelque chose, j'ai oublié son nom. Une journaliste d'investigation fantastique qui habite en France, qui habite aussi en partie, qui est américaine aussi, et qui a beaucoup étudié cette question-là. Et elle fait, alors c'est l'objet de tout un livre, donc je ne pourrais pas entrer en détail, mais elle explique que cette dissonance cognitive, elle est très forte, et notamment du fait de ce qui s'est imprimé dans notre cerveau il y a des milliers d'années. Et elle explique à quel point la viande était liée, alors non pas à notre survie, parce qu'en fait, c'était parfois plus compliqué de chasser une volaille sauvage ou un mammouth que d'aller cueillir des baies en forêt. En revanche, en termes de statut social, la viande, c'était très puissant. Parce qu'aller chasser de la viande et aller chasser notamment des gros animaux, c'était faire preuve d'un courage. Et donc, quand on revenait, quand un chasseur revenait dans sa tribu, dans sa communauté et avec de la viande, il acquit du statut social et donc il va tout de suite avoir plus de reconnaissance, plus de femmes pour procréer, etc. Donc il y a beaucoup d'enjeux autour de ça. Là, j'en ai dit plein en quelques phrases, donc ça peut paraître confus, mais c'est très très bien étudié et c'est malheureusement tellement ancré en nous qu'il faut beaucoup beaucoup de temps avant qu'on passe à l'action. Et il y a un autre film moi, que j'ai beaucoup aimé où il aborde ça, c'est le Empathy, le producteur espagnol qui a fait un film où il est lui-même carnivore et il va comprendre le véganisme, il devient végan petit à petit et il croque dans son bacon le matin et se dit mais pourquoi alors que j'ai appris tout ça je croque encore dans mon bacon. Et il va voir une spécialiste qui lui explique toutes ces questions de cognition en fait et de connexion synaptique. Je ne sais pas si tu veux compléter Dominique ou peut-être qu'on passe à une autre question. Je vois qu'il y en a d'autres dans le chat. Oui, volontiers. Ouais. Juste pour dire que je partage complètement le diagnostic de la norme sociale et du mimétisme et de l'imprégnation en fait du cerveau et de la tendance du cerveau à réfléchir pour surtout ne pas changer les habitudes qu'il a acquises sans réfléchir. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc une question, je pense, qui s'adresse plus au docteur Jérôme Bernard Pellet. Donc, c'est de Fabien sur le Zoom. Quelle est la complémentation en vitamine B12 la plus fiable et sûre, les algues et shiitake ou les compléments? Ce qui est le plus fiable, c'est ce qui a été le plus éprouvé, ce qui a été le plus étudié. Ce qui a été le plus étudié, c'est l'hydroxychloroquine. Enfin, je raconte. Désolé pour le lapsus révélateur. On ne t'entend pas, Jérôme. C'est l'hydroxycobalamine. Et c'est excusez-moi, la cyanocobalamine, voilà. Oui. On ne vous entend pas très bien. Donc les plus étudiés, c'est l'hydroxycobalamine et la cyanocobalamine. Alors on avait un accès facile à l'hydroxycobalamine il y a 10, 15 ans, 20 ans, puis elle a disparu du marché, et qu'on n'avait plus qu'accès qu'à la cyanocobalamine. Il n'y avait que ça. Alors la question, quelle est la méthode la plus fiable, je ne posais même pas, parce que les sources végétales, ça paraissait impossible. Toutes les revues médicales disaient que ça n'existait pas, qu'il n'y avait que les compléments. Et les compléments, il y avait que la cyanocobalamine. Donc, la source la plus fiable, c'était la seule source, la cyanocobalamine. Mais en fait, l'hydroxycobalamine a aussi été très étudiée avant sa disparition du marché. Puis là, elle réapparaît sur le marché. Et donc, je pense que la source la plus fiable, c'est l'hydroxycobalamine, qui a un effet détoxifiant, qui est utilisé par les pompiers s'il y a un incendie. Tous les pompiers ont dans leur camion une ampoule d'un produit qu'on appelle cyanokit, et en fait, c'est hydroxycobalamine. C'est de la vitamine B12, sous sa forme hydroxylée. C'est la forme la plus désirable, à mon avis, mais les compléments sont un peu plus rares. Est-ce que c'est très cher? Non. Alors, si je prends un que j'aime bien, qui est soit Sunday, soit Biofrère, de mémoire, je crois qu'on arrive à un coût de 3 euros par mois. Voilà, c'est raisonnable. Pour moi, c'est ce qu'il y a le plus fiable. La cyanocobalamine est fiable aussi pour protéger contre la carence en B12, mais n'a pas l'effet détoxifiant de l'hydroxycobalamine. Voilà. Et les sources végétales, là, c'est moins étudié. C'est pour ça que j'en parle pas,
très peu, sauf quand on me pose la question si c'est possible de se passer de complément. Voilà. Merci beaucoup. Je vais poser la question de Charlotte Moreau sur le Zoom. Est-ce que la viande de culture peut être une bonne alternative pour le futur et peut-être participer à la réduction de la population sur le long terme? Qui veut répondre? Bon, je vais répondre 20 secondes, mais uniquement pour la partie qui me concerne. Sur la partie nutritionnelle, je n'ai aucune donnée. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Parce que, enfin, on sait que la viande d'élevage, sa composition est très dépendante de l'alimentation animale. Voilà. Si on donne à une vache de l'herbe, ben, il y aura beaucoup d'oméga-3 dans les. Si on lui donne autre chose, si on lui donne du maïs, bon, ben, elle sera très riche en oméga-6 et le lait va être beaucoup moins bon. Et donc, comment on fait pour fabriquer la viande de culture? Est-ce que nutritionnellement, c'est pareil, mieux, pire? Je n'ai aucune donnée, je n'en sais strictement rien. Alors, je ne sais pas si sur les points de vue environnementaux, est-ce que ça a moins d'impact environnemental? Laure, je ne sais pas si tu as des données sur le sujet. Et donc, la viande de culture? Voilà, et sur la partie éthique, moi je la pose, je ne sais pas, est-ce qu'il faut tuer les animaux pour faire de la viande de culture? Il y a aussi la question de faire pousser des. Donc, au fait, les steaks, ce qu'on aime, ce qu'on apprécie dans la viande, c'est le muscle, en fait. Voilà, c'est essentiel. Il y a aussi des cellules, il y a aussi de la graisse, mais c'est essentiellement ce qu'on appelle des myocytes, voilà, des cellules musculaires. Bon. Donc, pour faire croître ces cellules musculaires, il faut un milieu de culture. Qu'est-ce qu'il y a dans ce milieu de culture? Est-ce que c'est entièrement minéral et végétal ou est-ce qu'il faut quand même des ingrédients animaux pour ce milieu de culture qui va permettre ensuite aux cellules de croître? Je n'ai pas à répondre à cette question. Donc, au total, ça sauve combien d'animaux le fait de passer par la filière culture de cellules? Moi, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si Nicolas... Il me semble que ça sauve énormément d'animaux. Après, par contre, nous, là, en tout cas, le positionnement de Greenpeace est de dire qu'aujourd'hui, on est capable de nourrir tout le monde avec des ingrédients naturels. Donc, pourquoi aller faire ça? Et d'autant plus qu'il existe des alternatives à la viande comme Beyond Meat, pour ne pas citer la marque, qui fait des choses qui ressemblent fortement à la viande, mais sans être allé chercher tout ce processus chimique qu'il y a avec la viande de culture. Maintenant, il y a des grosses études qui sont sorties récemment, qu'on m'a envoyées juste hier. Donc, il faudrait que je me renseigne plus que ça pour avoir une position un peu plus affinée sur la partie impact environnemental, puisque apparemment, il y a quand même des grosses améliorations qui ont été faites. Mais voilà, après, pour moi... Pourquoi aller faire ça alors qu'on peut déjà avoir des similis carnés satisfaisants pour les personnes qui souhaitent vraiment avoir des similis carnés? Oui, tout à fait. Et puis la viande de culture n'est pas disponible et pourtant, il y a des millions de personnes qui sont véganes et enfin, qui, voilà, on n'a pas besoin de ça, en fait. Sur les promesses environnementales, enfin, les promesses en termes de coûts environnementaux moindres de la viande de culture, elles sont assez alléchantes sur le papier. Il y a une différence clairement entre les recherches qui sont menées sur la viande. Donc le principe, c'est de la multiplication. On crée de la multiplication cellulaire dans des sortes d'incubateurs, mais qui doivent du coup mimer la température corporelle des animaux. Donc ça, c'est une grande partie du coût environnemental, il est là en fait, donc au niveau des ressources que ça demande. Mais il y a des recherches sur les poissons, donc plutôt sans besoin de chauffer, qui sont intéressantes. Et voilà, moi personnellement, je ne trouve pas ça très appétissant comme perspective, mais je surveille de près parce que ça m'intéresse pour mes chats, par exemple. C'est que alors, toute nouveauté est risquée. Voilà. C'est comme on n'a pas de recul. Qu'est-ce que ça va donner à long terme? On n'en sait rien. On fait toujours délicat de recommander quelque chose pour lequel on n'a pas d'expérience, pas de recul, alors que le reste des aliments, ben non, on a un recul qui est énorme. Et puis aussi, ça va créer une dépendance alimentaire. Clairement, ça va rendre dépendant, l'humanité va être dépendante de quelques grandes sociétés qui seront les seules capables à produire ce genre de produits. Là aussi, ça pose des problèmes éthiques et politiques. Donc, faites attention. Voilà. Il y avait une question sur le plaidoyer
Parce que je vois qu'il est 20h20 déjà et que la plupart des personnes sont parties. Mais ça peut être intéressant d'aborder cet angle-là qu'on n'a pas du tout vu et pour lesquels, entre le 114 et Greenpeace, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ça pourrait faire l'objet d'un cours de 3 heures, hein, donc on va pour donner quelques éléments. Mais en gros, le plaidoyer, c'est fait par, toujours par les, à peu près de la même façon dans les grandes lignes, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui se fait classiquement en direct, c'est-à-dire le plaidoyer où on va voir des parlementaires. Alors, plaidoyer, ça peut être auprès du gouvernement ou auprès des parlementaires, ça dépend de l'objet qu'on veut influencer. Le plaidoyer, par définition, c'est l'influence de la loi. Donc, si le gouvernement prépare un projet de loi, comme c'est le cas avec la Convention citoyenne pour le climat, on peut faire du plaidoyer auprès du gouvernement. Si c'est une proposition de loi, on peut aller voir les parlementaires. Dans tous les cas, le plaidoyer classique, c'est demander à rencontrer les députés, envoyer des argumentaires, leur présenter oralement les argumentaires, leur proposer des amendements ou des modifications d'amendements, sachant que voilà, c'est arrivé qu'on ait des copier-coller des amendements proposés par des associations ou proposés par la FNSEA, Interbev, qui est le lobby de la viande, etc. Donc ça, c'est la façon très classique, c'est de se tenir au courant, d'envoyer les bonnes informations, et notamment, quand on fait du plaidoyer, souvent, l'idée, c'est d'identifier les arguments pour et contre le sujet qu'on veut pousser. Là, par exemple, un sujet très concret actuel, c'est la Convention citoyenne pour le climat qui propose l'option végétarienne quotidienne en resto-co. Bon, et bien ça, en fait, on se rend compte qu'on manque de données techniques pour dire oui, c'est faisable, il n'y a pas de problème et on peut le faire comme ci, comme ça, en fonction de tel et tel type de cantine. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'arguments sur le fond, sur l'environnement, la santé, l'éthique animale, vous l'avez vu ce soir. Par contre, on n'a aucune étude qui existe sur, qui aurait analysé ce qu'on fait, par exemple, les 50 villes qui mettent déjà en place l'option végétarienne. Dans ce cadre, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une étude, on mène l'enquête, c'est-à-dire que là, on a embauché quelqu'un avec l'AVF pour 2 mois pour enquêter, c'est-à-dire interviewer toutes les villes qui ont mis en place l'option végétarienne, discuter avec les EHPAD, les hôpitaux, les prisons qui ont mis en place l'option végétarienne pour obtenir un maximum d'informations fiables, sourcées et solides scientifiquement, ou en tout cas de terrain, pour pouvoir en faire un rapport. Donc voilà, le but, c'est d'être le plus neutre possible, et ça va être vraiment d'apporter des informations. Et donc, on va les présenter ensuite au ministère de l'Agriculture et aux parlementaires qui travaillent sur ce projet de loi. Donc voilà, ça, c'est la création de données lorsqu'elles n'existent pas. Et ensuite, il est très clair que les parlementaires sont rarement sensibles à des arguments si ça n'intéresse pas la société civile, si ça n'intéresse pas les citoyens. Donc, ce qu'il faut pour que ça, qu'il y ait une mobilisation qui fonctionne, il faut que ça prenne dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc. Et donc là, il y a plein de façons de faire. Ça peut être, le 114, par exemple, va s'arranger pour sortir une enquête sur un abattoir la veille d'un vote à l'Assemblée nationale. Il l'avait fait il y a 2 ans. Nous, on va s'arranger pour sortir une cartographie qui montre l'état de la viande dans les cantines 3 jours avant un vote. Alors, on va faire ce genre d'événement, à la fois visuel et médiatique, pour faire parler du sujet et pour que les parlementaires s'intéressent, aient envie de le creuser, aient envie de le comprendre et aient envie de voter les amendements proposés en faveur de telle ou telle mesure. Donc ça, voilà, ça, c'est les grandes lignes de plaidoyer. Après, il y a ceux qui font du lobbying version lobbying, c'est-à-dire en payant, en invitant au resto, etc. Nous, Greenpeace, on n'adopte pas ces pratiques-là, on ne paie pas les parlementaires, on se concentre vraiment sur l'apport d'arguments solides. Mais voilà, il ne faut pas oublier que la mobilisation citoyenne, la signature de pétitions, etc., qui parfois peuvent paraître un peu vaines, en fait, sont très importantes pour montrer qu'il y a une mobilisation. Et je pense à un cas où je m'éloigne de la condition animale, mais il y a eu un gros travail de fait sur les Ouïghours par certains députés européens. Et la presse, par exemple, ne voulait pas s'emparer du sujet. Et donc, ils avaient du mal à porter la cause des Ouïghours. Donc, c'est la communauté en Chine, la minorité musulmane qui se fait qui se fait mettre dans des camps de concentration par le gouvernement chinois. Et il n'y a personne qui s'en souciait. Et les gouvernements, les députés européens avaient du mal à faire monter le sujet. Et les médias ne s'y intéressaient pas. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que sur les réseaux sociaux, les jeunes, les très jeunes, sur Instagram notamment, se sont mobilisés fortement. Et la mobilisation a tellement pris auprès des jeunes que les médias ont fini par en parler. Donc, c'est là qu'on voit vraiment l'impact des réseaux sociaux, de la mobilisation notamment des jeunes et des très jeunes sur des sujets qui peuvent forcer les médias à s'en emparer alors qu'au départ, ils ne le voulaient pas. Donc, voilà, très rapidement, hein, c'est l'objet de plusieurs heures de formation, donc c'est très court, mais je voudrais laisser la parole peut-être à Dominique si tu veux compléter. Non, merci beaucoup. Je rejoins à 100% la réponse. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question si vous avez le temps.
C'est donc une question de Mathilde sur le Zoom. Existe-t-il des alternatives vestimentaires à la laine ou au cuir? Pour toi, Dominique, oui. Allez, je vais me lancer, je suis pas super spécialiste. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous recommander d'aller sur ce magnifique site qui s'appelle vegan-pratique.fr, où là, vous avez tout un tas de conseils vestimentaires pour essayer d'avoir une garde-robe qui soit attentive aux animaux. Sur la question du cuir, il y a beaucoup de choses qui se développent. Vous avez peut-être vu, il y a des cuir d'ananas, cuir de cactus, des choses vraiment, vraiment très, très intéressantes. Cuir de champignons, j'ai vu, et il n'y a pas longtemps, et des produits qui sont même disponibles et peut-être même fabriqués par des startups en France aussi, également. Je ne connais pas dans le détail, mais c'est des news que j'ai vu passer. Et clairement, les alternatives à la laine et au cuir, elles se multiplient, elles se démocratisent. Voilà, pour plus de détails, vegan-pratique.fr. Laure, vous voulez rajouter quelque chose ou pas spécialement? Non, je pense que vraiment il y a toutes les informations sur ce site qui est très bien fait. D'accord. Bon, ben, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. On vous remercie énormément d'avoir participé à la conférence et d'avoir été aussi nombreux aussi à assister à cette conférence. Donc, on va essayer de mettre le replay de la conférence à la fois sur Facebook et si vous voulez, on peut vous l'envoyer aussi par mail si ça vous intéresse. Et voilà, donc merci beaucoup encore une fois. Et voilà, notre prochaine conférence, c'est sur l'écoféminisme le mercredi 20 janvier. Ça sera probablement aussi sur Zoom. Et voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.